Bonjour à tous, c'est Zoragos et on se retrouve pour une nouvelle session sur Lego Jurassic World. Dans la dernière session, nous avions commencé l'objectif 100% en terminant le premier film, tout simplement Jurassic Park. Nous allons donc nous lancer dans la complétion du deuxième film. Évidemment, pour l'instant, ce sera que de la complétion normale. Le but, ce sera tout simplement de terminer les niveaux. Hein. On s'attaquera au 100% littéral plus tard, évidemment. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer cette édition comme d'habitude. On y va, c'est parti. Let's go. Je me suis trompé de touche, c'est pas grave. Salut Solamine, comment tu vas, bro? Donc, on était sur cette partie, j'imagine. Ça doit être celle-là. 10,5% quand même. Hein. Bon chiffre pour avoir terminé juste un film. Après, c'est vrai que 90% des trucs, 90% des premiers pourcents, c'est vraiment juste terminer les niveaux. Hein, juste pour flatter ton ego. Oh, t'as terminé les niveaux. Bien joué. Tu as fait 50% du jeu. 70, 80. Allez, il reste le reste. Mais on ne dit pas combien c'est. Hein. Sinon, on va pas te décourager, mon con. Oh, du coup, est-ce que je peux changer de perso? Oh. Oh, oui. C'est qu'il y a des persos à acheter. Mais c'est qu'il coûte cher, ce connard. Us. 35 000. 65 000. Ah, bah d'accord. Pas d'accord. Attendez, hop, je fais juste une petite vérif 2 secondes. Vous me permettez, chat. Ok, c'est bon. Ma vérif est bonne. C'est parti, on s'attaque au deuxième film, The Lost World. Donc le monde perdu, j'imagine. C'est parti, let's go. Vous ne saviez pas ça, je parie? Non, je savais pas. Les Compsognathus chassent généralement des insectes et des lézards de petite taille. Mais tout comme d'autres théropodes, profiteurs, ils se régalent de plus grandes carcasses et j'ai pas eu le temps de dire la fin. Fais chier. Tiens, le professeur Malcolm. Vous venez échanger des souvenirs du bon vieux temps avec mon oncle? J'y étais, je sais ce qui s'est passé, et vous aussi. InGen est sous ma responsabilité maintenant, professeur. Je défendrai jalousement ses intérêts. Lui, ça sent le connard. Là, ouf. Vous aviez raison et j'avais tort. Vous vous attendiez à m'entendre dire une chose pareille? Isla Nublar n'était qu'une vitrine destinée aux touristes. L'usine était sur le site B, qui était sur Isla Sorna. Il y a quelques semaines, une famille anglaise, lors d'une croisière, est tombée par hasard sur l'île. Les administrateurs se servent de l'incident pour me retirer le contrôle d'InGen. Bon, d'accord. Eh bien, il y a une autre île avec des dinosaures, sans clôture cette fois-ci. Oui. Et vous voulez envoyer des personnes dessus? Je vais avoir besoin d'un vrai dossier photo de tous ces animaux. Vous n'avez pas contacté Sarah? Elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Et l'équipe de recherche va... Ce n'est plus une expédition de recherche maintenant, c'est une équipe de sauvetage. Et elle part maintenant. C'est pas faux. Salut Aurélien, comment tu vas? Tu ne peux pas rester sur le délai de 3 jours et me demander que tout soit prêt. Je ne suis pas approvisionné. Je n'ai pu tester aucun de ces appareils. Y'a et toi, bah tranquille, tranquille. Les véhicules ne seront pas réparés. Ouah, il est en flingue aussi, incroyable. Toum. Allez, let's go, c'est parti. Qu'est-ce qui coince là-dedans? Ah, attendez, hop, encore une fois, un truc qui casse les couilles. 2 secondes, vous me permettez. Hop, voilà. C'est bon. Désolé. Ok. Allez, je tabasse tout. Ok, alors on a un truc à faire là-bas. Qu'est-ce que c'est? Ok, faut prendre Malcolm. Ok. Faut mettre dans l'ordre. Oh, ça va, c'est pas le truc le plus compliqué que j'ai vu de ma vie. Ça, franchement, ça passe. Ça passe. Oh, y'a un teddy bear. D'accord. Quoi, c'est des machines à glace? C'est des gradités? De fin maintenant? Non, c'est juste un truc à tourner à deux, ok. Ah, ça va. Les petits enfants, c'est Tonton Wolfrid pour vous servir. Salut. Ah, faut les cabots d'une autre couleur. Vert, c'est censé être vert. L'idée, c'est que les
dinosaures ne nous voient pas. À moins que tu veuilles te faire bouffer par un T-Rex. Mais j'ai rien fait, moi. Ça peut être un truc, hein. Et je ne vais pas refourrer mon... Oh, me dis pas qu'il faut mélanger les bonnes couleurs. Oh, je sais pas. Qu'est-ce que c'est, le truc des couleurs, moi? Oh, je suis une demeure pour les couleurs. Je sais pas ce que c'est. Alors, on va dire bleu et jaune. Ah, bah non, mais de toute façon, il y a marqué, ok. Ah, c'est bon. Bleu et jaune. Ah, bah, je savais, en fait. Putain, je m'impressionne moi-même, incroyable. Salut, Orcordon, comment ça fait? Comment ça va depuis le temps? Faut longtemps que je suis pas venu, oui. Mais comment tu vas, bro? Bon, on a une bagnole, c'est déjà pas mal. Oh, on a un truc à construire, là. Je m'y connais pas. Pourquoi il veut pas se construire, ce con? Il manque quelque chose? Ça va grave bien, et toi? Bon, ça va, tranquille, tranquille. Comme d'habitude. Ok, alors là, on a les roues de bagnole. Non, putain. J'ai mal visé. J'ai mal visé encore. Non. Non. Mais, putain, mais... Suce, hein. Voilà. Ne pas s'énerver. Mais pute. Je vais me mettre sur la bagnole. Comment ça me casser les couilles aussi, hein. Mais what? Pourquoi je peux pas tirer dessus? Ah voilà, merci. Oh l'angle dans lequel il fallait être, mon dieu. Oh. Yo, t'es déjà au deuxième film. Salut Toto, comment tu vas? Bah évidemment qu'on est au deuxième film, mec. La dernière fois on a fini le premier, donc évidemment qu'on est au deuxième là. Ça paraît logique. Après le premier, tu as le deuxième. Après le deuxième, tu as le troisième. Après le troisième, bah t'as re le premier. Ok, donc il y avait un truc à faire là. À quoi ça sert? Salut Joponio, comment tu vas? Salut toi, yeah. Exactement. C'était après le gros premier, il y aura re le deuxième, enfin je crois non. Ouais, il y aura des trucs comme ça, t'inquiète. Parce qu'après faudra refaire à 100%, ce sera re le premier, puis re le deuxième, puis re le troisième, puis re le premier. Ça va être un bordel. Ah, je peux rien péter, putain, attends, on va d'abord péter. Ah, attendez, ah, ok. Alors attendez, hop, faut encore que je fasse un petit truc. Voilà. Salut, c'est Aerozer. Aero sur TQ9, même au boulot je te regarde un peu MDR. Ah, merci, ça fait plaisir Aero. Après va pas te foutre dans la merde au taf pour regarder mes streams, ça marche pas, hein. Merci d'être là bro. Désolé encore pour la mort de ton personnage, hein, c'était pas voulu. A la limite Asia je m'en battais les couilles, le tien ça m'emmerde un peu plus quand même. Mais je suis d'accord, t'es Guillaume Wolfried, mais quand tu t'es fait les niveaux, tu avances le 100%, tu vois. C'est ça le truc. Comment ça a pété? De quoi? J'ai pas compris, Toto. De quoi tu parles? Je me suis enfoncé une écharde. Une écharde avec une roue de bagnole? Bon, à la limite, tu t'es enfoncé un pneu, mais une écharde, chelou, hein. Ah non, je pense pas avoir dit ça, mon cher Toto. Hein. Ah d'accord, c'est lui qui répare, incroyable. Je me servais d'un marteau. Je comprends mieux. On va avoir la bonne grosse rage comme les copières des Caraïbes. C'est vrai. Ouais, tu dis ça, je te passe péter les caisses. Oui, c'est ça, péter les caisses, bien sûr. Tu veux que ce soit quoi d'autre? Ah! Le retour du générique de. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce niveau de l'image, au niveau du son, tout est bon. Après, faire les changements début de stream, tout grand fin comme d'habitude. Nick Van Owen, incroyable. Tout est bon, t'inquiète. Ok, merci. Ok, donc j'imagine que ça doit être lui qui ouvre ça. Exactement. Oh le criquet! Ah hop, ça dégage. On t'a l'air du fourgon. Bah, ils sont où les bonbons? Oh mon dieu. Horrible. Vous
Alors, est-ce qu'on va continuer, à votre avis de chat, est-ce qu'on va continuer avec notre magnifique 100% pièces sur tous les niveaux du premier coup? Parce que pour l'instant, le film 1, on a réussi à faire 100% pièces à chaque fois. Est-ce que pour le niveau, pour le film 2, on va y arriver? Moi, je me pose la question quand même. Que ça, c'est pas grave, le temps qu'on finisse les films, on aura largement le x2 en termes de pièces. Donc on n'est pas obligé vraiment de le faire, mais ça fait déjà ça en plus, quoi. Ok. Alors, donc ça, c'est pour faire un truc. Ok. Mais encore. Ah non, mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Ta gueule! Voilà. Ah merde, putain, fallait mettre au bon moment quelconque. Je pensais qu'il fallait spammer. Deuxième film, il y a quelques niveaux qui sont complexes. Ah ouais? Ah d'accord. Je ne savais pas. Ok, lui, il faut qu'il fasse ça. Tu déconnes, le jeu de mon enfance, en plus je l'ai acheté il y a pas longtemps. Ah, nice, Kayenou. Nice, 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 tu as eu du bon goût à ton époque. Les jeux Lego quand on est jeune, c'est vraiment les meilleurs jeux. Voilà, il y a les jeunes de maintenant, leur jeu d'enfance c'est Fortnite, tu vois. Nous, nos jeux d'enfance c'était putain de Lego, c'était quand même dinguerie. Hein. Très réel. Bon, après, c'est que mon avis, bien sûr, hein, mon avis de vieux grincheux qui n'aime pas Fortnite, hein, ça c'est sûr. Je suis sur PS Vita des souvenirs. Ah putain, ouais, sur PS Vita. Ah, donc c'est pas la même version totalement alors, du coup. Parce que moi, vu que je suis sur la version PC qui est donc la même que les versions consoles de salon, on a tout un open world et plein de trucs en plus que vous aviez pas à l'époque. Sur PS Vita. Non. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Et continue. Okay. Voilà. C'est en place. Merci. C'est un cache en l'air. Un cache en l'air. Tu comprends? Il monte et il te cache. En l'air. D'accord. Petite cousine, son jeu d'enfance c'est Fortnite, elle m'a dit. Son jeu d'enfance c'est Fortnite. Quand j'ai dit c'est Lego, elle m'a dit c'est quoi cette antiquité. Bah techniquement maintenant ils ont Lego Fortnite hein, donc bon j'ai envie de dire Lego antiquité mes couilles hein. J'ai racheté sur PS4 il y a un mois. Ah putain, nice. Et alors tu trouves comment du coup? Ça change hein, on est d'accord hein. Ça change bien entre les versions console de salon et console portable hein. C'est insane la différence je trouve. Et hop. Cool de fou sur tous les graphismes. Ah ouais, les graphismes c'est pas la même aussi hein. On est d'accord. Ah, nous on est en train d'actuellement faire tout simplement le 100% sur tous les jeux Lego. On avait commencé avec Pirates des Caraïbes que j'ai commencé il y a très longtemps. Et je m'étais dit pourquoi pas faire avec les restes. Donc là on est en train de faire Lego Jurassic World, parce que c'est celui qui avait été voté par le chat à cette époque. Bah quand on a terminé le Lego Pirate. Donc on verra bien comment ça se débrouille pour les autres. Hâte de continuer. En parlant de Lego Fortnite, y'a que moi qui aime pas. Non non, t'inquiète, hein, moi je trouve que c'est de la merde. Mais après c'est voilà, c'est... Après je suis pas objectif, je hais Fortnite. Donc bon, pas très objectif de ma part non plus quoi. Est-ce que quelqu'un est censé poser un toit sur le labo mobile? Un toit, j'en sais rien. Bah j'imagine que oui quand même. Peut être pas mal. Ok, donc là faut un mec électrique, donc j'ai pas. Donc ça c'est pareil, c'est pour le grand refrain. Bon, ma petite cousine regarde les Wings et Totally Spies, elle est normale. Ah frérot, elle est plus que normale. Merde, y'avait un truc à crafter là-bas, j'ai pas vu. Je jouais après un Lego sur DS, je me souviens plus trop, mais c'était des genres de robots qui se battaient. Ah, Lego Bionicles peut-être. Bionicles ou Xenonite, un des deux. Si c'est des robots, ça doit être Bionicles. Ah merde, je peux pas le craft. Pourquoi je peux pas l'utiliser? Ah putain, ça doit être un truc qui doit se faire avec un personnage spécial. Bon bah j'avais pas besoin de revenir alors. My bad. Ouais, Bionicle, ah bah voilà. Ouais, Lego Bionicle, c'était bah, un des trucs phares de Lego. C'était une de leurs licences. Une de leurs licences, comment ça s'appelle original. J'adore, je réponds à Kayenou, il me fait c'est Bionicle. Suivi sur TikTok. C'est bon, j'ai donné la bonne réponse, j'ai droit au suivi. Let's go. Quelle dinguerie. Ah oui putain, le toit c'est ça, d'accord, oui oui, faut bien, oui faut mettre le toit là quand même. Ok, donc là on a la rampe qui permet d'aller là-bas pour réparer le truc, d'accord. Mais encore. Salut Track, comment tu vas? Ok, pas mal de pièces, c'est cool.
Ah, encore un truc à crafter que je ne peux pas crafter, je crois. Ça doit être un objet, en fait, tu dois le crafter avec un certain personnage. Ouais, c'est avec Grant. Et ça doit être un objet où tu dois en crafter plusieurs pour gagner un mini-kit. Viens avec toi, bah tranquille, tranquille. Merde, faut lui. Let's go. Ouais, c'est vraiment le jeu où ils te disent on va mettre le générique tous les jours. Let's go. On lève le bousin. Ah merde, il y avait une pièce bleue, j'ai pas été la prendre, quel con. T'as fait Lego Harry Potter? Non, on a fait que Lego Pirates des Caraïbes avant celui-là. Donc non, Lego Harry Potter n'a pas été encore fait, mais on le fera. Ok. Ma chérie, t'as trouvé, t'as été long. Désolée, je trouvais pas de place. Oh, c'est pas grave, ma puce. Bon, écoute, il faut que je te dise quelque chose, il faut que je te parle. Et d'abord, où est-ce que tu vas? Oh, c'est juste pour quelques jours. Je n'irai pas si ce n'était pas. Professeur Malcolm. Après, ils veulent ramener un cochon, comme d'hab, toujours le cochon. Tu peux pas faire 5 mètres sans avoir la musique du jeu. Ah, frère, du film, ouais, de ouf. Père pas très biologique. Bon, on sait pas, peut-être que sa femme est de couleur, on ne sait pas. No judge, on ne juge pas. T'as prévu de faire Lego World après celui-là ou tu le gardes pour plus tard? Je sais pas vraiment, parce qu'en fait le problème avec Lego World, c'était un bon jeu mais qui a jamais été terminé, qui a jamais été fini vraiment. C'est pas vraiment très intéressant, je pense. Après, de toute façon, c'est vous qui choisissez à chaque fois, hein. Comme d'hab. Hein. Ouais, Lego World était vraiment cool. Hein. Moi, je l'avais acheté pratiquement day one, mais c'est qu'il n'y a pas vraiment de fin, il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est plus toi qui te balades sur les maps. À part faire de la construction à la Minecraft, t'as pas vraiment grand chose à faire. Tu vois, t'es pas comme dans Minecraft où t'as des mods, où t'as un Under Dragon, un truc comme ça. Je pense qu'en fait, Lego World, son fils spirituel à Lego World, c'est un peu le Lego Fortnite où maintenant c'est un genre de jeu de survie et tout. C'est un peu comme ça que je vois le truc, parce que c'est vrai que ça fait, il y a beaucoup de similitudes quand même. Pour moi c'est pas vraiment un jeu Lego comme je pourrais en faire un 100%, tu vois. Voilà, mais comme d'habitude, de toute façon les jeux Lego c'est vous qui choisirez à chaque fois qu'on aura terminé à 100% lequel on fait. Donc ça sera à vous de voir. Si vous voulez qu'on fasse celui-là, on fera celui-là. Si vous voulez qu'on en fasse un autre, ça sera un autre. Salut Yann, comment tu vas? Alors ça, la merde, on est d'accord que personne peut le mettre. Et ça c'est lui, ok. Lego Avengers. Salut Gribours, comment tu vas? Ça fait longtemps que t'as pas vu mec. Et oui, Lego Marvel, oui c'est sûr qu'on le fera. Hein. Okay, j'imagine que ça doit être pour... Ah oui, ok, lui c'est pour la lampe. Merde. Le temps est connecté à ton live. J'ai pas compris ce que tu veux dire Yann. De quoi le temps est connecté à mon live? Hein? On va pas comprendre ce que tu vas vouloir dire. Moi j'ai une idée, dans Jurassic World tu l'auras fait un 100% et j'espère qu'il sera dans le vote. Ouais, je vais refaire un Jurassic World, t'inquiète. Je l'ai déjà fait mais je vais le refaire. Le mec qui aime vraiment trop celui-là, c'est dès qu'il a terminé, il le refait une dernière fois, une attention. Passer le temps et pas écouter à ton live. Ah! Passer le temps et pas écouter à ton live. Je sais pas, mais je comprends rien de ce que tu est-ce que tu as bu de l'alcool, Yann? Ou est-ce que tu as du mal à écrire? Parce que là, je comprends que dalle à ce que tu veux me dire. Fais-moi des phrases construites, s'il te plaît. Sujet et verbe complément, bordel. Je comprends rien du tout. Ça fait longtemps à ton live. De quoi? Ça fait quoi? Longtemps que t'es pas venu sur mes lives, c'est ça que tu veux dire? Ou ça fait longtemps que j'ai lancé mon live? Point d'interrogation. Parce que là, je comprends que dalle.
Donc si tu finis Lego World à 100%, c'est le deuxième jeu Lego que tu finis à 100%. Oui, exactement. Oui, ah, ok, bah ça fait 20 minutes que je suis en live. Merde, putain, ok, faut prendre un troisième. Ça au moins tu as l'info maintenant. Allez hop, l'argent. Merci à la pièce bleue. Bon, je pense que celui-là 100% devrait pas être trop compliqué. Qu'est-ce qu'il y a? Dégagez-vous. Us. Us. Oh, j'ai été gommé. Les flèches tranquillisantes là, il a rien vu venir le cochon. Ah. Bâtard, je l'ai pas vu lui non plus. Que j'ai idée. Après Jurassic World. Mais c'est mieux que je jette avant car on n'est pas encore là. On n'y est pas encore. Ah ouais, là on n'y est pas encore les gars. Il y a le temps. Voilà. Bon, c'est pas grave si t'étais pas sur mes lives, mec. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a Lego Spider-Man. Alors t'as pas Lego Spider-Man mais t'as Lego Marvel, Lego... Alors t'as Lego Marvel 1, Lego Marvel Avengers et Lego Marvel Avengers 2 je crois. Donc techniquement t'en as 3 des jeux Lego Marvel, donc on aura Spider-Man dedans évidemment. D'accord. Ah oui, ok, faut que je fonce de... Ok, faut que je mette dessus. Lego Marvel Heroes, oui voilà c'est ça. Lego Marvel Heroes, Lego Marvel Avengers et Lego Marvel Avengers 2 je crois. Ce serait bien un jeu Spider-Man solo. Ouais, il pourrait en faire un par rapport à Ultimate Spider-Man ou par rapport à Spider-Man Multiverse. Ça pourrait être très très bien, je suis d'accord avec toi. Ça va tomber. Ah non, ok, faut envoyer un autre. Putain. Voilà. Ça va, tu as pas censé être. Waouh, ça veut rien dire. J'ai rien compris. Ça va, tu as pas pensé, tu as pas censé être. Ça va, tu as pas changé de tête. Ah oui, bah j'ai pas changé de tête. Bah, puis la dernière fois que t'es venu, c'est sûr que j'ai pas changé de tête. Ah oui, c'est que un Marvel Avengers et deux Marvel Super Heroes. Ok. Merci. Je me souviens plus exactement, mais je savais qu'il y en avait 3 quoi en gros. Oh, le stego là, il est stylé. Dégagez les dilophosaures là. Je crois que c'est ça, hein, c'est des dilos. Hein. Si je dis pas de la merde, très fort probable que je dise de la merde. Portable et Morellet écrit mieux que ça. Non, mais vu qu'il est sur TikTok et donc qu'il est sur portable, je pense que ça doit être le correcteur orthographique qui doit faire un, qui doit foutre le bordel. C'est quoi aujourd'hui? Bah aujourd'hui Lego Marvel Avengers, Jurassic World ont fait le deuxième film et ensuite il y a la coop 2K qui revient ce soir à 20h. T'es sûr de brûler quand tu lis les commentaires des autres? Non, ils brûlent pas, c'est ce que j'essaye de comprendre, tu vois. Des fois je comprends pas, je suis en mode c'est moi qui suis con ou. C'est un Compsognathus. Ah ok, bah merci pour l'info. Je dormirai moins con. Allez, normalement là on a un mini kit. Merci. Moula, 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 moula. La moula, la moula. Ok, je sais pas ce qu'il faut. Passe ce soir, Antoine, je pense. Alors j'imagine que tu veux dire que tu penses que tu passeras ce soir, mais je vois pas où le prendre. Pourquoi Antoine? Mais c'est pas grave. Ok, ok. Ok. Si tu veux, on va dire tout pareil, tout pareil. Putain de merde. Photo. Let's go. Photo. Le selfie. Let's go. Photo. J'aurais jamais cru dans mes rêves les plus fous qu'un monde puisse te faire venir ici. Salut Eddie.
Salut, Sarah. Oh, oh, oh. Les animaux qui viennent de passer, tu as vu? C'est un groupe familial. Si je pouvais photographier lui, je reviens. Me dis pas que c'est la fin du niveau et que j'ai raté le 100% à pas grand chose. Non, c'est bon, ok, il y a encore un petit peu de niveau, je crois. Restez ici. Sarah. Sarah. Elle est trop près. Ah, c'est intéressant, dans le film 2, t'as pas Grant et t'as pas sa femme, c'est vraiment une autre équipe, quoi. Je sais pas. On voit qu'ils arrivent plus tard. Elle est conne! Sarah! Oh putain de merde! Va falloir faire gaffe! Ok. Quoi? Bah attends, le truc il a été fait après, c'est quoi cette connerie? Je fais les anciens jeux Lego comme ceux quand les persos ils avaient pas de voix. Oh, moi j'aime bien justement le fait qu'ils aient une voix et tout. Après, dans le dernier jeu Lego Star Wars, justement, t'avais le retour du Mumble, je crois que ça s'appelle le Mumble, ou je sais plus quoi exactement, genre la langue des Lego. Ce qui est cool pour ceux qui sont nostalgiques de ça, quoi. Bon, ça va, je me fais spam aussi, c'est bon là? Putain, bah ouais, mais Grant. Non mais c'est bon, c'est n'importe quoi ça. Putain, c'est pas un boss Elden Ring le bordel. What the fuck. Non mais wesh, non mais c'est horrible. Allez, le 100% pièce qui a été fait. Mais si toi, je sais pas ce qu'il faut faire. Allez. Non d'accord. Ah si voilà, c'était ça. Chez photo. C'est n'importe quoi. Je trouve ça très drôle personnellement. Putain mais c'est horrible. Je me fais spammer le cul. Et je cours, je cours, je cours. Pièce, 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 pièce. Non, allez B. Ah. Vas-y, appelle. Tap, tap, tap. Je suis mort, c'est pas grave. Estego, selfie. Ah, ça me tue, c'est n'importe quoi. C'est con, mais c'est tellement bon. Vache. Ok, un troisième là-bas. C'est pas les voix que j'aime pas, c'est que les jeux, genre maintenant, c'est plus pareil, par exemple la caméra. Ah justement, je trouve que les jeux Lego ont toujours su se renouveler entre les open world qui sont vraiment cool, les quêtes annexes, les changements de caméra, les changements de gameplay ou de combat, je trouve ça vraiment très cool. Il y a vraiment une évolution dans les jeux Lego, je trouve ça trop trop bien. Pareil avec genre l'arbre de compétences là, qu'ils ont fait avec le dernier jeu Lego, je trouve ça trop génial. Ah, par contre ça va être chiant là, parce que si je peux pas... construire le truc ou qui peut le péter avant que je mette le machin, ça va vite me casser les couilles ça. Ah c'est bon, hop. Obi-Wan qui joue à Jurassic World. Je suis pas Obi-Wan, je suis pas Obi-Wan. Arrête, je suis pas Obi-Wan quoi. En vrai j'avoue c'est un putain de compliment. Allez, 1, 2, 3, selfie. Après, dans tous les cas c'est des masterclass. Ah oui, les jeux Lego c'est des masterclass tous hein. Ils sont qui sont bien renouvelés. Après c'est voilà, chacun son avis. Il y en a qui préfèrent les anciens, moi je préfère les nouveaux. Au feu les pompiers, la maison qui brûle. Ah non, il faut juste des saucisses. Mettez de la terre. Qui a fait ce feu?
Je voulais juste vous faire. Et tu ressembles vraiment Obi-Wan de baiser. Ah ouais. Je voulais qu'en rentrant. Si ton compte, c'est plus simple pour moi. Merci, oh, mais Kelly, ça fait plaisir. Kelly, tu n'as pas idée de ce. N'hésite pas à venir sur Twitch aussi. On a vraiment fait tout le voyage en caravane. Ah. Zora Kenobi, mais non, c'est Zora Vos. C'est Obi-Wan Kenowish, vous avez oublié, parce que je suis la version de Wish d'Obi-Wan. Pourquoi Hammond enverrait deux équipes? Hammond! Salut M-Croix, comment tu vas? Je t'appelle comme ça parce qu'il a un M, un truc et une croix. Voilà. Je t'appelle M-Croix. Très joli croix d'ailleurs. Ça sent 5000, ça va, c'est rien. Oui, ça va, tranquille, on avance bien. Hein. Obi-Wan, s'il n'avait pas rencontré Anakin. Il aurait fini streamer, voilà. Vous savez pas, mais si Obi-Wan n'avait pas rencontré Anakin, il aurait fini streamer. Carlos. Oh, il y a Carlos. John Hammond. Putain, il est devenu chauve entre le film 1 et 2. Triste vie. Récolteur d'Isla Sorna. Observateur d'Isla Sorna, il va me donner tous les trucs d'Isla Sorna. Le Van Owen. En fait, il te donne 3 véhicules, après tout reste et paye, connard. Ok. Bon, j'ai pas eu le truc. Et ok, ça. Let's go. Allez, niveau suivant. Obi-Wan dira, j'ai échoué à ma mission, j'ai fait une reconversion pro. C'est ça. C'est Obi-Wan après l'ordre 66, s'il était pas allé sur Tatooine. Ah, j'ai fait une reconversion pro. Je sais pas si ça a marché. Donc ça on peut pas dans tous les cas. J'imagine qu'il faut rentrer dedans, hein. Comment je suis censé voir dans cette merde? On peut pas avancer. D'accord. Donc c'est un véhicule mais il avance pas. J'ai eu l'idée. Puis one s'il était dead. J'ai pas compris. Qu'est-ce que t'entends par là, mon cher Track? Pas compris. Allez, pour la nostalgie, on va prendre les jeeps de Jurassic Park normal. Mais y'a un mec qui se balade, c'est qui lui? T'es qui toi? C'est John Hammond. Coucou. Ah non, tu coûtes cher, John. Rien, t'inquiète. Ah d'accord. Je sens qu'il y avait une pointe de. Voilà, hein. Hammond, qu'est-ce que tu fous là? On est d'accord. J'ai l'impression qu'il y avait une pointe de moquerie dans ce que tu disais, mon cher Track. Je vais pas du tout dans le bon sens. Ah, j'ai tabassé un stego. Pas sûr qu'il fallait aller là-bas. Allez, on retourne en arrière. Salut Aneos. Comment tu vas? Fuck. J'ai réussi à me bloquer, let's go. Ça doit pas être par là. Putain, oui, j'ai pas suivi les bonnes pièces, quel con. Salut Belkaïd. Donc une moquerie, ok. Est-ce que le pape c'est le pape? Bah je pense que le pape est le pape, oui. Monsieur j'aime les pâtes et les pizzas. B1 sur le stream. Ouais, Palpatine, génial, j'ai pas du tout un fusil de sniper sur le front, c'est pas vrai. c'est pas faux. Y'a un truc, ça va tranquille toi, bon tranquille. Allez, on y retourne, on reprend une jeep. Non putain mais j'ai... Ah. Allez, rentre dans la bagnole. Merci. Wouh. Oh, boum. Oh. Ah. Comment il se passe de l'autre côté? Faut crafter un truc, j'imagine. Non, même pas. Ah non d'accord, c'est juste que je peux pas. Ah bah non je peux vraiment pas. Ah putain, j'ai pas vu qu'il y avait un truc au-dessus. Quel con. Je ne répondais pas à cette question, j'en ai aucune idée, mon cher. Mon cher, j'aime les pattes. Tu poses vraiment de ces questions, mon gars. Après mon perso, j'aime beaucoup les macarons. Comme ça, la Jeep, il y a eu un stomp pour ne pas passer dans l'eau. Ah frérot, elle a pas voulu, hein. Elle aime pas.
Ok, c'est passé par là. Hop, hop, hop. Ouh. Ok, alors il est où, Monsieur Flingue? Il est là. Obi-Wan, il est chaud au jeu Lego. Obi-Wan, il est chaud pas qu'au jeu Lego. Il est chaud à tout, mec. Obi-Wan vient de mourir, donc bon... Non, mais putain! Ah, ça commence! Allez, allez, on se concentre. Quoi? Me dis pas que c'est parce qu'il y a l'autre connasse qui est sur le truc où je peux pas monter. Je pète un câble. Non, non, le jeu me fait pas ça. Bah, c'était pour ça. C'est parce qu'en fait, il y avait la meuf qui était là, donc je pouvais pas passer. Let's go. Ouais, c'est le deuxième film, Blast. Faire les pâtes ou les pizzas? Oh là là, pâtes, pâtes, pâtes. Obi-Wan a perdu son skill. Ah non, on préfère les pâtes, on préfère les pâtes. J'adore les pâtes, c'est trop bon les pâtes. D'accord, mais encore. Qu'est-ce que what? Attends. Ah y'a elle peut fouiller dans la... Ok, putain, je suis pas sûr. Bah je sais pas, moi j'adore les pâtes, en fait t'as tellement de choix dans les pâtes, c'est moins calorique, ça coûte moins cher. Je sais pas, je préfère les pâtes. Après c'est que mon avis bien sûr, vous pouvez préférer les pizzas. Ça se joue pas loin, franchement les deux ça se vaut. Mais les pâtes quand même, putain les gars. Pas de carbo, pas de bolo, pas de curry, on peut tellement tout faire. Encore une info passionnante, rien que pour vous. Jurassic World est construit sur Isla Nublar, pas loin du site où se trouvait Jurassic Park d'origine. Burger viande ou burger poulet? J'hésite. Avec un autre pour le camp de base. C'est une piste de gibier, monsieur Ludlow. Si vous voulez que j'organise votre petit safari, c'est moi qui dirige. D'accord? D'accord. Dieter, en position de... Il veut faire un safari de dino, d'accord. Ok, le concept est pas mal. La banane d'Elvis. Non, mais ça existe pas une pizza pas bonne. Ça dépend. De toute façon, tacos supérieur. Des jouets super high-tech qu'ils ont là. Pour être clair, InGen est à la recherche d'associés pour partager les frais d'expansion du projet. Mais on ne fait pas venir les gens de l'autre bout du monde pour visiter un zoo. On amène le zoo chez eux. Monsieur Hammond le savait. Avant d'avoir jamais rêvé à une île, il a commencé la construction d'un amphithéâtre. Et San Diego est le parfait endroit. L'installation pourrait être bouclée et prête à recevoir des visiteurs dans un mois. Peut-être pas déconner mon cher Track quand même. Hein. Ils veulent sortir les animaux d'ici, vers le continent. Il faut que je vous dise, Hammond m'avait prévenu que ces gars-là pouvaient venir. Il a renvoyé un plan de renfort. C'est quoi le plan de renfort? Moi. Salut Doc Nid, comment tu vas? Et de défunt avec cette histoire de bouffe, ah, j'avoue moi aussi j'ai la dalle. Ok, nouveau niveau, let's go. Bon bah c'est cool parce que en même temps je sais, bon voilà, comme on le dit souvent, les jeux Lego suivent pas énormes, suivent pas à la lettre les trames historiques des films. Mais vu que moi je connais pas du tout le film 2 parce que je l'ai pas vu, je découvre. Ça se trouve ce soir je vais me mater tous les Jurassic Park moi. J'ai une bonne assiette de pâte carbo devant toi. Oh arrête, j'ai envie d'aller là, arrêtez. Jack, je sais même pas si j'aurai le temps de bouffer entre le premier et le deuxième stream. Parce que le temps qu'on le termine celui-là, à mon avis, je devrais retourner sur le deuxième. Donc ça se trouve, faudra que j'attende genre 23h avant d'aller bouffer. S'il vous plaît, commencez pas. Pas le droit d'être là, attrapez-les. Salut Baptiste Agner, bonsoir notre P1 français. Ah, n'importe quoi, putain. En fait, faudrait juste que je m'achète un cosplay. Hein. Je prends un cosplay Obi-Wan, je le mets, on est bien. Il hein. Y a la tête et tout, il y a tout qui est parfait. Hein, de ce que vous dites. Ouais, je suis en un, il a la voix de chaos de Skylanders. Eh oui! Eh oui, oui. Je vois quelque chose derrière la porte. Je peux bouger le projecteur. Ce serait excellent. Ouais, mais ça coûte cher les. Ça coûte cher les trucs comme ça, les cosplays. Un mélange du mec qui dit vous êtes où et Obi-Wan. Vous êtes où? Comment ça, le mec qui dit je vous ai tout, j'ai pas compris? La future star française. Mais oui, bien sûr, n'importe quoi. Faut arrêter vos conneries, les gars. Future star française de mes couilles, hein.
Décure. Décure. Qu'est-ce qui se passe en bas? Quelqu'un a libéré le... Ah, les trois Jurassic Park sont sur Netflix, let's go. Genre le mec qui rage parce qu'il y a personne sur son stream. Ah, t'es en train de me dire que c'est moi? Genre t'es en train de me dire que c'est moi ça? Ah, j'ai pas envie d'être méchant, mais si on pouvait éviter de m'insulter. Parce que bon, hein, gueuler parce qu'il y a personne sur son stream, j'ai pas envie d'être méchant, mais bon. Tu travailles, tu stream, s'il y a personne, bah écoute, c'est que malheureusement t'es... Alors, soit t'as pas de chance, que quand même, il faut quand même beaucoup de chance sur Twitch, hein, faut pas déconner. Soit c'est que t'as pas assez streamé, soit que juste, bah malheureusement ta commu elle est pas enclin à de nouveaux jeux. Soit bah, c'est toujours pareil quand t'as toujours des sessions, moi par exemple Sotor. Star Wars The Republic, c'est une de mes licences préférées, c'est un de mes jeux préférés. J'adore y jouer, j'adore refaire des streams dessus. La dernière fois qu'on a fait un stream dessus, il y avait pratiquement personne. Bah pour autant, je vais pas aller chialer, je vais pas aller faire il y avait personne. Bah non, écoute, c'était à moi d'être meilleur, d'être plus intéressant, je sais pas, peut-être de mieux communiquer, de peut-être pas faire ce jeu, j'en sais rien. Et c'est pas en gueulant sur mes viewers que les gens vont revenir ou venir faire quelque chose quoi. Il y a aucun intérêt. Si t'as envie de réussir sur les réseaux comme ça ou faire un truc, moi je pars du principe que déjà il faut donner envie aux gens de rester, de venir. C'est-à-dire être positif, donner de la bonne humeur, faire passer du temps, faire passer du bon temps aux gens. Et le but c'est de leur changer du quotidien, de leur quotidien, ne serait-ce que pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc si s'ils sont là sur ton stream pour que t'entendes gueuler ou t'entendes les insulter, il y a aucun intérêt en fait. Ça va même pas faire envie de venir. Et même sans vouloir être méchant, ça fait même un peu pitié quoi. Ça fait genre le mec, ouais salut, y a personne, ça me fait chier, j'en ai ras le cul, venez quoi. Ouais, mais si t'insultes les gens parce qu'ils viennent pas, ils vont pas venir derrière quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais voilà. Après c'est comme ça que je vois le truc, mais non mais pas la personnalité. Et le clip il reste drôle. Ouais, le clip il est drôle, mais bon. Pas vraiment comment positionner par rapport à celui-là. Salut Garbus YouTube, comment tu vas? La plus grosse erreur que font les streamers, c'est de baser les chiffres se baser sur les chiffres viewers. Après, ça aide aussi. C'est vrai que quand t'es un streamer et que tu streams pendant pratiquement plus d'un an ou 2 ans ou 3 ans et que les chiffres ils montent pas ou alors que tes chiffres ils baissent, c'est vrai que c'est un peu malheureux, tu vois. Moi, je vais bientôt être à 2 ans et quelques de stream. Voilà, mes chiffres sont toujours pas incroyables. Et même vraiment, il y a des streams où c'est catastrophique. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. À toi d'adapter tes horaires, d'adapter tes jeux, peut-être de changer certains trucs, peut-être voilà, faire un peu de pub quelque part, tu vois. C'est à toi de t'adapter. C'est pas aux viewers. Hein. Les viewers qui kifferont ton contenu, ils viendront. Et s'ils aiment vraiment, ils reviendront. Donc, faut juste convertir l'essai, quoi. Voilà, c'est mon point de vue comme d'hab. Hein. Vous savez très bien que j'aime beaucoup donner mon point de vue. Après, je partage évidemment celui des autres. Aucun problème avec ça. Mais c'est vrai que ouais, voilà, j'ai un peu du mal avec les streamers ouais, qui insultent leurs viewers. Je trouve pas ça poli en fait. Parce qu'en fait, il faut être réaliste. Sans les viewers et sans les gens sur les réseaux, ce métier déjà n'existerait pas. Et en plus, si par exemple t'es un mec qui en vit, bah sans ces viewers là, en fait, t'en vivrais pas. Genre t'es personne en fait si tu les insultes, s'ils sont pas là. Donc leur chier dessus ou dire ouais vous êtes des merdes parce que vous venez pas. Ouais bah c'est pas comme ça déjà que tu vas en vivre. Ou alors si t'en vis bah c'est pas comme ça que tu vas les garder ou que tu les remercies quoi. Faut réussir à fidéliser la communauté. Exactement. Non mais genre tu le ressembles vaguement. Ça va peut-être venir. Ouais bah ça va peut-être venir, je suis d'accord. Voilà je veux dire je suis pas en mode non plus oh putain chier quoi. Alors ça sert à quoi d'avoir ce truc? D'accord, c'était pour ça. À plus tard, Worker Drone. Oui, si t'insultes les viewers, c'est sûr que là tu peux répondre. Mais si c'est des mecs sympas ou des mecs qui voilà qui te font vivre ou qui te font passer un bon moment, leur chier dessus, c'est pas vraiment le meilleur truc, quoi. Ça, je vais distribuer. Va vous. Attends, ce message, je vous ai distribué par exemple avec vos. Le grimage de la terre du milieu. Porte quoi. Oh let's go. Pachycéphalosaure. Attention. Coup de boule. Merde, je me suis trompé. Achète un sabre laser. Coup de boule. Oh merde, j'ai tué un pote. Pas grave. Headbutt! Ouh! Le Glasgow Kiss.
Qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Voilà, personne. Salut Iradium, comment tu vas? Le goat, salut le goat. Vous avez fini, putain. Vous avez fini de dire des conneries. Ah, on peut utiliser la force ici. Le mec qui a trop joué à Lego Star Wars. Il est bidon jusqu'à ce qu'il te mette un coup de boule, c'est ça exactement. Salut État de Moulin, comment tu vas? Oh, boum! Après, le choix des jeux influe en fonction de la communauté que tu veux. Sur la communauté que tu vas pouvoir impacter. C'est vrai! C'est vrai, totalement. C'est pour ça que moi j'essaie quand même d'être assez multigaming. C'est vrai que c'est pas vraiment le truc qu'il faut faire normalement quand tu commences sur Twitch. Parce qu'être très multigaming, bah ça en fait ça te permet pas d'avoir une communauté très fidèle. Parce que souvent, voilà, faut être réaliste. Souvent les viewers viennent pour un jeu en particulier, etc. Donc c'est vrai que faire du multigaming au début, c'est pas le truc le plus intelligent à faire si t'as envie de monter vite. Mais je trouve que c'est intéressant parce qu'au moins tu vois, ça éduque les gens à peut-être regarder des jeux qu'ils auraient pas eu l'idée. Et moi ça me permet en fait de ne pas me bloquer dans un jeu et de pouvoir être assez flexible et de faire entre guillemets ce qui me plaît, ce que j'ai envie. Et de pas me dire putain aujourd'hui c'est vrai il faut que je fasse ce jeu, ça me fait chier, j'ai envie de faire autre chose, tu vois. Donc c'est vrai que ça aide pas, mais ça aide en même temps aussi. C'est vrai que le GOAT... Le futur phénomène du Twitch francophone. Mec, ça se trouve, le temps qu'entre guillemets je perce, Twitch ça sera mort, genre ça fera plus d'argent, les réseaux comme ça, ça marchera plus. On sait rien, hein. On sait pas de quoi l'avenir est fait. Hein. Du coup, sur kick, ouais, non, ça ira. Jamais de la vie. Pas sur cette plateforme de con là. On est d'accord. Ah bah oui, non, c'est n'importe quoi. La plateforme est dégueulasse. Faut être réaliste. Kick c'est nul. Bah en fait le truc c'est que Kick y a pas vraiment de règles. C'est juste en fait une entreprise qui a été faite à partir grâce à des casinos. Les mecs, les seuls trucs qu'ils ont fait sur leur plateforme, c'est juste de dire tiens, on va acheter des streamers à des millions et des millions pour que d'autres viennent. À part acheter des streamers et pas faire grand chose, je veux dire, à la plateforme, tu vois, soit disant la plateforme qui a tué Twitch, on n'entend plus parler depuis des mois. Les gens qui ont quitté au final, bon, ils sont plus en mode en train de revenir et de faire quand même du Twitch à côté. C'est. La plateforme en fait, elle sert à rien, tu vois, c'est. Il y en a qui utilisent la plateforme pour faire genre un petit complément, c'est toujours bien. Mais moi personnellement, Twitch, c'est la première plateforme qui m'a permis de gagner de l'argent, potentiellement vivre de ma passion. D'ailleurs, je vais pas cracher dessus. Si un jour, on va dire le bateau prend l'eau, qu'il est en train de couler, je serai un des derniers à partir du bateau, quoi. J'en ai rien à foutre. Ceux qui m'ont donné la possibilité de travailler, je vais pas leur chier à la gueule. Même si eux, je pense que techniquement, ils s'en foutent un peu de moi parce que je suis un petit streamer, je sers à rien, tu vois. Mais moi, j'ai un système de fidélité comme ça, je vais pas chier sur la plateforme qui m'a donné une opportunité. Après, si tu veux vraiment percer, faut surfer sur une vague, faire quelque chose d'innovant. Ouais, après voilà, moi personnellement, je tente des nouveaux trucs. Des fois, je fais des jeux qui sont un peu, voilà, un peu plus mainstream. Mais je préfère justement faire ce que j'ai envie de faire. Faire les petits jeux qui me font kiffer, comme ça. En fait, je trouve ça plus intéressant pour un viewer de voir un mec qui est passionné ou qui kiffe ce qu'il fait. C'est plus communicant et je trouve que c'est plus intéressant à regarder. Tu passes plus un bon moment. Donc voilà, je préfère peut-être faire des trucs qui sont un peu moins mainstream. Mais voilà, me faire une communauté fidèle et une communauté qui va kiffer ce que je fais et qui comprendra peut-être le mood de la chaîne. Plutôt que faire un jeu mainstream où ce sera peut-être le bordel. Ou peut-être que je vais me lasser. Ou alors qu'au final, bah c'est pas très intéressant, tu vois. Salut Zemex, comment tu vas? On va pas se forcer à faire un jeu pour faire un jeu. Exactement. L'important, c'est de rester soi-même surtout. On est d'accord. Le fou Zemex, le retour. Quelle plateforme, j'ai pas suivi. On parlait de Twitch et on parlait de, en gros, comment faire entre guillemets pour percer quoi. Apprends leur nom. T'apprends leur nom, putain, connard. Zemex, le goat qui vient faire des syncopes aux streamers, est arrivé dans le chat. T'as raison, je suis aussi streamer sur Twitch et je fais pareil que toi, comme
Pareil que toi, multigaming, il faut rester soi-même, la commu viendra. Je suis d'accord. Bye Obi-Wan. Salut Track, à la prochaine, merci de passer. Et du coup, toi, Jorgan, t'es à quel niveau sur Twitch ou juste. Ça m'intéresse un peu de voir quand il y a des gens qui sont. Tu sais, qui font du contenu aussi, de savoir ils en sont où. Ah, t'es affilié? Attends, affilié. Affilié, oui, oui, ok, affilié, ouais, ouais, ok. Et genre, t'as quoi? T'as combien de follow? T'en es où Une autre idée qui peut rapporter gros, c'est le lancer d'anneau sur Triceratops. Oh le bâtard, lancer d'anneau sur Triceratops. Sio, comment tu vas, Zemex? Depuis hier. J'ai plus le Triceratops? Merde! Ça m'arrange pas, ça. Ah non, ok, oui, la clé pour choper le... Ok. Ok. Comprends, je comprends. Ça et toi? Bon, tranquille, tranquille. Hein. On se remet des émotions d'hier. On se remet tranquillement. Oh, Triceratops, let's go! Dégage-toi! Ouh! Oh, ça fait 3 mois que j'ai commencé les lives, je suis à 72 abonnés. Ça fait 1 mois et demi que je suis affilié. Putain la vache! Vous êtes affilié super vite, vous voulez... Attends, mais normalement affilié, faut avoir 100 followers, faut pas en avoir 100. Ah non, c'est 50 je crois. Putain la vache, moi j'ai pris pratiquement 1 an à être affilié à l'époque. T'as 40 subs, putain la vache, mon dieu. C'est bien. Je suis au volant là, dès que je me gare, je fais un petit cadeau. Oh non, arrête Zemex. Bah c'est bien mec, franchement bien joué Jordang. Tu commences très très bien. Rapide de baiser, de ouf. Moi j'ai pris 1 an pour devenir affilié, donc commune streamer, on live ensemble. Ah ok. C'est une commune streamer, c'est trop bien ça. J'aimerais bien faire partie d'une commune streamer, ce serait cool. C'est vrai que je joue plutôt tout seul moi. Malheureusement. Même si j'ai quelques potes streamers, c'est vrai qu'on stream pas beaucoup ensemble, malheureusement. On a pas... Moi je suis quand même un peu plus jeu solo. Après j'aime bien faire des jeux multi aussi, c'est vraiment cool. Je m'amuse vraiment bien. Tu vas, papa? Où est-ce Barou? Maman est très en colère. Ah, la madre est en colère. Il a dit les termes. Oh. Mais c'est des T-Rex? Moi j'ai pris 1 an pour devenir Afida, c'est différent. Pour devenir Afida. De quoi t'es devenu Afida Turner, la vache. Toi tu dois avoir des sous. Eh hein. Hey, t'es une méga star, c'était Afida Turner mon gars. Zemex, la Afida de moi commu, incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh faut esquiver, trop stylé. Oh, oh j'adore. C'est trop stylé comme concept. Allez, à droite. Et un mini kit. À droite. Fou plastique. Après toute la commu dessus streamer. Attends. Après toute la commu dessus les streamers. Dessus varié de 40 à 1500 abonnés. Quand tu dis abonné, tu parles de sub ou abonné genre les follow? C'est vrai qu'entre 40 et 1500 pour les gars de votre team, c'est quand même pas mal. Hein. Moi je suis à 1003 et quelques. Tu vois? Mais non, je suis pas à 1003. Si, je suis à 1324, c'est incroyable. J'avais oublié mon chiffre. Évidemment, la seule pièce que je rate, c'est la bleue. Ah putain, ok, ouais, faut vraiment que je. Ok. Si je vais au milieu, ça marche pas. Ouais, tu pourras m'envoyer ça si tu veux, Jordan. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, faut monter, merde. J'ai pas capté. My bad, chat. Heureusement que tu m'as demandé qu'est-ce qu'il fallait faire, Toto. On est d'accord, faut monter, hein, faut pas descendre. Hein.
Ah putain, mais le Zgek, c'est pas ce qu'il faut faire, quoi, incroyable. Ah merci. Moi je suis en train d'attendre, tu vois. J'étais mort de rire quand j'ai vu que... Enfin, je lui ai dit ou non. Ah, t'as eu raison de me le dire. Comment on fait pour monter, c'est quoi cette connerie? Ah non, faut passer de côté. Attendez, vite! J'arrive les copains! Alors on va mettre du poids de l'autre côté. Alors évidemment on va pas faire ça tout de suite. Ah mais si, on a déjà 100% pièces. Quoi, on a encore 100% pièces? Mais je l'ai encore réussi, chat, j'avais pas remarqué. Incroyable. Putain, mais 100% pièces, je suis trop fort. Je suis trop bon. Ouais, écoute, moi j'ai cru, il fallait attendre. Je sais pas, j'avais un pressentiment, bah j'étais une merde, voilà. Imagine, tu prends trop de temps, le camion tombe et tu recommences tout. Non, y a pas de truc de temps dans les jeux Lego. Non mais surtout c'est intéressant en fait de voir un peu le niveau aussi un peu sur le tour pour pouvoir voir un peu ce qu'il faudra faire quand je devrais le faire à 100%, tu vois. C'est intéressant aussi. Eh ben écoute Zemex, merci pour les 10 subs. Mais ce mec c'est un fou. Putain, le mec il vient de claquer 100 balles hier et là il claque 10 subs aujourd'hui. Oh putain, bah merci Zemex, ça fait extrêmement plaisir. J'espère à tous ceux qui seront là que Loki s'occupera bien de vous évidemment. Et merci encore à toi Zemex, tu es le GOAT quoi. Salut Didi. Il est taré, GG. C'est ça. Tu aimes bien Bob Lennon? Évidemment que j'aime bien Bob Lennon. Ça, pour moi, vous savez, l'époque Bob Lennon et Fanta et tout ça, pour moi, c'est le prime de YouTube. Il n'y a pas de meilleur prime que ces mecs-là. Genre, pour moi, ça, c'est le YouTube game. Ça, je suis content et je suis fier d'avoir grandi avec ça, vous voyez. Pour moi, c'est vraiment les GOAT. Il n'y avait pas mieux que pour s'éduquer, pour grandir et pour regarder sur YouTube que Bob, Fanta et tous les autres de l'époque. C'était incroyable, c'est juste les meilleurs. Bob, c'est le GOAT ultime, c'est mon daron spirituel. Ok. Oh putain, trop bien ce mini-jeu. Oh. Allez. Allez. J'adore quand les petits jeux Lego comme ça ont des micro-mini-jeux, c'est trop bien. Fanta a mal tourné. Ah, Fanta, on va dire qu'il est resté dans ses envies, quoi. Il avait ses envies, il avait envie de faire de la crypto. Bah, il a essayé d'en faire, on va pas le juger non plus, quoi. Chacun a ses rêves, chacun a ses aspirations. Si son aspiration c'était faire de la crypto et malheureusement d'arrêter internet, on va pas lui chier dessus en mode voilà. Chacun a son rêve, on n'a pas le droit de le juger. Après, c'est que mon avis, bien sûr. J'aimerais tellement te rencontrer. Bon, merci, Ethan, ça fait plaisir. Moi aussi, j'aimerais bien rencontrer les viewers. Ça serait bizarre de rencontrer un pour la première fois. C'est en mode oh mec, je t'adore. Oh what the fuck. C'est trop bien. Fanta et Bob, ça rappelle des souvenirs sur Minecraft. Ah c'était incroyable. Les Romains, les Crusoe, leur trucs comme ça. Le Let's Play Skyrim, tout ça. Oh là. Bob Lennon, le daron de beaucoup de gens. Ah oui. Fanta, il chantait réponse comme moi j'avais un rêve. Non, ah, arrête de... Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Dégage, salaud. Oh là, double kill. J'ai failli le rencontrer à Lyon, mais un problème au rein a eu raison, malheureusement. C'est vrai, c'est vrai. Je devais voir des gens à Lyon. Il y avait pas mal de gens qui voulaient me voir à Lyon. Malheureusement, j'ai vu personne. J'étais un peu pas triste, mais j'étais un peu en mode ah, dommage. J'aurais bien voulu pouvoir rencontrer des gens à Lyon. Il y en avait beaucoup qui m'avaient demandé si j'y allais. Bon après voilà, je comprends, je suis pas assez connu. Il y avait trop de gens connus, les gens étaient intéressés par d'autres personnes. Après c'est vrai qu'à Lyon c'était tellement le bordel que... Mais un bon bordel tu vois. Que les gens n'ont pas que ça à foutre à venir me voir. Olé. Il y a combien de putains de caisses dans ce camion pour qu'il y ait autant de bordel qui nous foncent sur la gueule? J'aimerais savoir.
Adios, bro. Salut. Au fait, Zorak, tu te rappelles du jeu de combat de Dino sur DS? Celui où tu... Attends, lequel? Parce qu'il y en a eu un sur 3DS, un sur DS. Il y a eu celui sur 3DS où tu devais déterrer des dinos avec un camion. Et ensuite, tu devais faire des combats de dinos. Et celui sur DS, c'était celui... On est d'accord, celui sur DS, celui où tu parles, où il y en avait un aussi sur les insectes. On est d'accord? C'est où tu créais ton dino, tu te baladais et tu faisais des combats de dinos. Il y avait le même avec les insectes, je crois. Si j'ai pas de merde. Ouais, putain, ouais, il était trop bien, j'y ai joué à l'époque. Ouais, y'a Jack Sparrow à droite. Ouais, j'y avais joué dans le train à l'époque quand j'étais, vous savez, à la SNCF. Il y a le truc avec les gosses là où c'est des gens qui surveillent des gosses quand tu fais des trajets. Je sais plus comment ça s'appelle. Et j'en faisais beaucoup et j'avais testé le jeu, j'avais trop kiffé quand j'étais gosse. Vous êtes d'où d'ailleurs? Tu veux dire originaire d'où, Zebex? Moi, je suis de Bretagne. Pourquoi on a ce mec là, on l'a même pas joué? Deirdre Bowman, éclaireur Ingen. Peter Ludlow. Jeu DS, ça rappelle les souvenirs. Ah, de ouf. Mec, il y a tellement de jeux DS que j'ai envie de faire. Genre le jeu Dinola, Spectrobs. Qui se souvient de Spectrobs, les gars? Spectrobs, la dinguerie que c'était, Spectrobs. Il y avait de ces jeux DS qui sont pas connus maintenant ou qui sont plus connus, qui étaient des dingueries. Dinosaur King. Ouais, alors moi, Dinosaur King, j'ai du mal quand même. Depuis que je sais que Dinosaur King, ça a été fait par les mecs qui ont fait beaucoup d'Opico, pour ceux qui savent, je suis un peu choc barre par Dinosaur King, moi. Et c'est même pas une blague. Voilà comment détruire votre enfance, c'est fait. Je vous ai détruit votre enfance, le chat. Ou ça va, vous le vivez bien? Beaucoup de Pico, meilleur animé de tous les temps. Alors évidemment, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Beaucoup de Pico, n'allez pas regarder sur internet. C'est pas un truc pour vous. Voilà, à moins que vous ayez plus de 18 ans et que vous aimez les trucs chelous. Malheureusement, moi j'étais jeune quand on m'a dit de regarder ça. J'étais pur encore à l'époque. Et on m'a dépurifié en 30 secondes. J'étais pas prêt quand j'ai appris ça. Oui, c'est un dessin animé de cul, voilà, t'as compris. C'est un truc plus 18, littéralement. Ça a une taille, voilà, on va le dire. Sur 3 épisodes et c'est pas... Voilà, c'est pas ouf quoi. Même pas du tout même. Je te jure, tu regardes ça, moi j'étais pas bien hein. Moi j'ai voulu me retirer ça de la tête après dans ma vie hein. Bah heureusement tu peux pas le retirer, j'aurais toujours les images dans ma tête. C'est horrible. Ok, c'est par là. Oh, ça marche pas. Regardez pas ça, les dames, faut pas regarder. Alors, c'est qui lui? Robert Burke. On est d'accord qu'il y a une petite graine à la Jack. Hein. Ouah, gros, comment t'es pas putain. Middle L, genre ton principe, c'est juste de venir sur mes streams me dire que je suis beau gosse tous les jours. Ok, le but c'est encore donner de la bouffe. Let's go. Dommage qu'il n'y a pas un truc d'invocation de dinosaure, ça aurait été plus vite que de devoir aller chercher la bouffe pour celui-là. Là, je tombe pour la première fois sur ton live comme par hasard. Oui, bien sûr, pour la première fois, ça fait pas 3 jours de suite que tu tombes sur mon stream, mais t'inquiète. T'as pas du tout suivi la chaîne en plus pour retomber dessus. N'importe quoi, putain. Ah non, mais ça, c'est ma bagnole, merde. Alors, il est où? Lui. Pas du tout, alors là, ouais, bien sûr. Hop. On prend Malcolm, qui a plus ses lunettes d'ailleurs. Triste vie, voit plus rien. Oh, j'ai la ice cream! Hop! Mange ça.
Il y a Custom Robot. Attends, il y a Robot Arena sur DS aussi. Je vois pas ce que c'est Robot Arena, tu vois, pour le coup. N'importe quoi, Middle L. Ok, là faut avoir Dino, je pense. Alors, malheureusement, où est-ce qu'il faut aller pour trouver le dernier fruit? Oh, je vous avoue que malheureusement, Custom Arena, ça me dit rien. Bah, Robot Arena, ça me dit rien, comme ça. Salut Luna, comment tu vas? Ok, là, faut un truc pour envoyer, j'imagine. C'est ça. Let's go! Feu! Wouh! Sur DS, jouer à Advance War. Advance War, c'est pas le jeu un peu à la tactical en mode... C'est pas le jeu tactical en mode Seconde Guerre mondiale à la Fire Emblem, qu'ils ont d'ailleurs sorti un remake sur Switch il y a pas longtemps? Si je dis pas de la merde, si. Ah putain la vache, ah ouais, ça c'est les bails aussi. C'est chaud. Faudrait que je le fasse en stream ça aussi. Et en fait, il y a tellement de jeux que je dois faire en stream, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont sur Twitch, si vous ne savez pas comment utiliser vos points de chaîne, n'hésitez pas à utiliser la commande, bah pas la commande, mais le truc de points de chaîne, qui est tout simplement de pouvoir imposer un jeu à la commu. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement, en fait, vous utilisez 50 000 points de chaîne et vous pouvez choisir un jeu qui soit gratuit, payant, rétro, nouveau. Et je serai obligé de faire au moins l'histoire principale en stream. Ce qui permet, en fait, tout simplement de faire un peu certains jeux que vous aimeriez peut-être que je fasse en stream pour vous. Voilà. Moi, j'aime bien trop stylé la ceinture et la chaise de backlash. Merci, Luna. En vrai, sur DS, le code Yoko et Bomberman 2 Stylebanger. Moi, ce que j'aimais beaucoup et j'ai jamais retrouvé le nom du jeu, c'était le code Yoko, mais pas le code Yoko en mode action RPG, mais en mode JRPG. Genre tu sais en mode tour par tour un peu à la Dragon Quest 9. Je sais que genre j'en avais vu un parce que j'y avais joué à l'époque sur la DS de quelqu'un pareil dans le train. Et j'ai jamais retrouvé le jeu. Custom Robot Arena est un jeu comme Pokémon où tu joues un robot dont tu peux changer les pièces et avec l'histoire classique des arènes et le combat contre une organisation criminelle. Ah ouais, pas Gundam mais à la vous savez le truc qui est fait par Level 5 là. Ils en avaient fait un avec Inazuma Eleven. Ils avaient fait un film avec Inazuma Eleven, c'était LBX, c'est un peu comme LBX en fait, si je dis pas de la merde. C'est un peu l'ancêtre de LBX, si j'ai envie de le dire comme ça. Attends, LBX, il faudrait que je teste, c'est vraiment sympa comme jeu. C'est l'ancêtre de LBX, ah ok, bah nice. Attends, on a des bonnes refs les gars. on se comprend le chat, on se comprend. Les bonnes belles refs là. Je crois que je suis... Ah oui, mais je peux pas t'aider, poteau. Je suis pas avec Grant, là. Ce crétin Burke a dit qu'il n'était pas dangereux. Déjà, quand tu vois son nom, son que ce crétin de Burke. Tu te dis, est-ce qu'il est vraiment fiable, ce mec? Et qu'il s'appelle Burke. Genre, même son nom, t'as envie de lui chier dessus, quoi. Pour LBX, j'ai le jeu sur émulateur si tu veux. Oh t'inquiète, je pourrais le prendre, hein, c'est pas un problème, t'inquiète pas. Je sais gérer les émus, j'ai l'habitude maintenant. Oh l'argent, ouh. Un bon feu de camp, ça se fait pas. Ah, il a une mission. Je me retourne 5 secondes. Il a marqué quoi? Peste me traîne mon flingue jusque dans un arbre. Ah, faut lui ramener un flingue. J'aurais dû signer pour l'autre mission, celle de Lille avec tous les chatons. Celle de Lille avec tous les chatons, let's go. Et Lille aux chatons. Je connais pas. Vous connaissez vous Chaton Park? Cat Park? Je connais pas Cat Park. C'est parti. Vous voulez apprendre quelque chose, hein? Alors, la posture du dilophosaure est assez étrange pour un dinosaure. Au repos, les mains sont orientées vers elles-mêmes, comme s'il tapait des mains. Eh oui, au repos, évidemment. Le centre des opérations se trouve juste ici, à 2,5 km du bas de ces falaises. On va les laisser dormir encore une heure. Oh non! A fini de bouffer celle-là? Qu'est-ce que c'est?
Oropo, Wakfu. Évidemment que je connais Oropo, mec, Zemex. Un grand fan de Wakfu. Salut Eva, 2-3, comment tu vas? Oh, faut encore courir! Courez, monsieur, courez! Ça va et toi? Bah tranquille, tranquille. On continue les go, ce soir il y a... Ce soir on fait du 2K, très hâte de continuer aussi. La petite coop là. Petit univers coop, ça va être cool. On va essayer de défoncer mon pote. De gagner cette fois-ci la session. Ça va être compliqué comme d'hab. Olé! C'est quand même du jeu. Bah c'est tout simplement un jeu Lego, hein. C'est tu finis l'histoire, tu finis les niveaux. Tout simplement, hein. Ah! Oh, il se fait marcher dessus! Le pauvre! Il s'appelle ne pas avoir de chance. Ah, mini-kit, mini-kit, mini-kit! Olé! Non, bute pas Jack Sparrow. Attention, il revient. Ah non, pas lui. Papa. Salut Ify, comment tu vas? Oh. Ils vont se faire bouffer, voilà. Toi et toi tranquille, tranquille. Oh la Précilienne! Oh la Précilienne du Crétacé, incroyable! Ah bah ils sont arrêtés. Bon c'était rapide. Attendez, attendez! Regardez, je crois que c'est le sac d'Adjay. Valkorion. On n'est pas trop sur Valkorion là. Ah, objet. Ok, on n'a pas le bon perso. Le mec dit de pas aller dans les hautes herbes, mais il y va quand même, c'est ça exactement. Prospect de la bonne humeur, merci Jordan, ça fait plaisir. Ah oui, voilà, il le dit. Incroyable, n'allez surtout pas dans les hautes herbes. On peut t'attraper? On peut, let's go. Venez monsieur, venez. Voilà. Ok, faut en sauver 5, c'est pour un mini kit, ok. Attention aux hélicoptères, c'est ça qu'il a dit. Allez, à main nue, je me tape des dinos, moi, rien à foutre. Peut-être référence au professeur Shen, ah, possible, possible, peut-être un, peut-être, peut-être. Allez hop, dans la merde, let's go. Ah bah Eva, si tu connais pas les jeux Lego, c'est ça l'humour, hein. C'est vraiment que du foutage de gueule, hein. Faut pas se rendre au sérieux avec le jeu Lego, hein. C'est le principe. Oh la tondeuse. Wouah, elle est déterre la tondeuse. Attends, moi je veux la même. T'as, elle doit coûter la peau du cul, hein, quand tu vas l'acheter par contre au marché, hein. Mon dieu. Allez hop. Alors est-ce qu'on peut faire un truc ici? On n'a pas de pelle, chier. Tu vois c'est un safe place, le Discord. Il y a du soutien entre les streamers, tu vois. Ah bah super, nice. Ça fera plaisir, ça fera plaisir. Ah ok, donc ça c'est je peux pas. C'est une Ryobi. C'est une marque, ça, c'est ça que tu veux dire, Zemex? Parce que je connais pas trop les marques, donc... Wouah! Dégage-toi! Us! Et... Us! Ah, dégage. Ah, c'est une marque, ok. J'étais pas sûr. Vous savez, moi, je m'y connais pas trop en marque de ton...
de tondeuse à gazon, vu que moi j'habite dans un appart, donc j'ai pas vraiment besoin de tondeuse à gazon. Allez hop. Ah, y'a une pièce bleue, y'a une pièce bleue. Bon, alors on l'a vu. Et voilà, y'avait un mini kit caché, je m'en doutais. Ryobi, la tondeuse dans le bricolage. C'est un peu le Lotus du PQ. Ah d'accord, ok. C'est le Lotus du PQ. C'est le Kleenex du mouchoir. Oh putain. Oh, la tondeuse, elle se fait attaquer par un vélo. Oh putain, oh non, ça c'est des dilophosaures. Dégage, dilodon, culé. Meurs. Voilà. Salut, comment va Twitch? C'est Jordan du TikTok que tu as invité au Discord. Nice! Plaisir, Mister Joe. Joe Gataga. Il y a un petit délire avec Gotaga, j'ai l'impression. En tout cas, bienvenue à toi, mec. Un petit GG, s'il vous plaît, dans le chat pour Joe qui a décalé de Twitch à TikTok. De TikTok à Twitch, et ça, c'est les gouttes qui font ça, donc ça fait plaisir. On peut le remercier, s'il vous plaît. Et merci pour le sub-gift, Wolfried. Ouais, du coup, pourquoi je peux pas? Ah putain, Fayette a dit... What? Quoi, ces conneries? Ah ok, putain, faut courir pour ça, ok. Us. Il y a deux mecs dans le chat, j'ai l'impression qu'ils vont se battre pour savoir qui va me donner le plus de subs. What the fuck? Non, c'est moi qui vais être premier! Non, c'est moi! Non, c'est moi! Je tiens à dire qu'éventuellement, les subs peuvent être gardés pour la prochaine session gage, au cas où, si ça peut motiver quelques personnes. Je dis ça, je dis rien, c'est dit comme ça. C'est jamais. Oh là là, les deux viewers qui veulent se tabasser la gueule là. Ok, je sais pas à quoi ça sert cette boîte. Alors Backlash était incroyable, n'est-ce pas? C'était incroyable, mon cher Co. C'était fou. Les meilleures soirées de ma vie ever. Hop, ça dégage. D'accord. Ah ok, c'est pour donner envie aux dinos d'avancer. Ok. Why not? AVC, pourquoi AVC? Quel était ton moment préféré? Bah je pense en vrai il y a... Ah attends, il se fait attaquer, photo. Voilà, c'est exactement les gens. En fait, c'est comme les gens maintenant de nos jours. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui s'est agressé dans la rue, tu prends des photos. Tu l'aides pas, tu prends des photos. Quel était mon moment préféré? Je pense que c'était avec AJ Styles. C'était trop bien le AJ Styles. Et après, ouais, l'entrée de Jey Uso aussi. J'avoue, Zemex, t'as encore beaucoup à rattraper. Hein, parce que Wolfried, c'est quand même le malade du stream. Le malade de la chaîne, mon gars. Faut faire gaffe, chut. Après, il n'y a pas de compétition, bah, évidemment. 1000 euros. Non, c'est pas 1000 euros, je crois. C'est moins, c'est beaucoup moins. Parce que c'est 5 euros un sub. Donc, techniquement, ça fait plus de 500 euros. Et vu que tu as des réducs, on doit être plus sur du. 400 et quelques, 600 peut-être. Je pense. Ça doit être une connerie comme ça. Après, évidemment, c'est déjà énorme. Hein. On va pas dire le contraire. Toute mon enfance, ce jeu. Ah, nice, Quentin, nice. J'imagine Zemex qui fait un don pendant les fouilles, ça finit à 7h du mat. On l'a déjà fait en soi, hein. On l'a déjà fait un live vers ces heures-là. Je crois que le maximum qu'on ait fait c'était 4h du mat. Si je dis pas de la merde, hein. Ah, je me fais agresser encore, mais putain! Dégage! Tiens, boum! Merci Mister Jogataga, pardon, pour le follow Twitch sur Spanters. Tout le live de la chaîne d'exemplaire, merci à toi!
Bon bah encore 100% pièce hein. Les gars, on va vraiment y arriver à faire un 100% pièce sur tous les niveaux en vanilla hein. C'est insane hein. Qu'est ton catcheur préféré? Le catcheur préféré genre de cette soirée là ou le catcheur préféré en général? Et dégage toi. Ouais, je vais t'appeler Joe, ça va être plus simple. C'est bien, on peut refaire tous les films. Eh oui, tous les films jusqu'à Jurassic World 1. En général, le Miz. Je suis un énorme fan du Miz. Pour moi, c'est un des meilleurs catcheurs de tous les temps. Il est juste incroyable, longévité de ouf. Toujours relevant, même avec des gimmicks de merde. Incroyable, a su redorer le blason du titre intercontinental à l'époque avec, avec Dolph Ziggler, c'est incroyable. Moi, je suis fan de toi. Merci Lord Partus. Allez, crie. Ah ah, la première fois que j'entends quelqu'un dire ça. Ah ouais. Pourtant, le Miz, c'est quand même quelque chose. Hein. Undertaker le plus badass. Undertaker est extrêmement badass, je suis d'accord. Il fait partie de mon top 5, tu vois. Mais le Miz, pour moi, ça avance. Ça avance dans l'aventure jurassique. Bah écoute, on est. Je pense qu'on est à la moitié du deuxième film là, à peu près. Je suis déçu de lui avoir infligé une rivalité avec Bad Bunny. C'est pas grave, en vrai, de toute façon c'était l'époque VM. Maintenant, depuis qu'on est passé sous l'époque Triple H, c'est beaucoup mieux, c'est juste tellement mieux. Tellement de catcheurs sont respectés, t'as plus de mecs qui se font foutre de leur gueule ou qui sont utilisés comme de la merde, c'est vraiment beaucoup mieux, je trouve. Ou pas le Boogeyman, incroyable ce catcheur. Alors, pour le coup, Boogeyman, je le verrais plus comme un catcheur de. Vraiment un peu comme, comme certains catcheurs, vraiment plus un catcheur de gimmick que de catcheur en soi, tu vois. C'est plus vraiment, il a la gimmick qui fait stylé, mais c'est pas vraiment un mec sur lequel. Voilà, t'es en mode. Tu capitalises derrière, quoi. Par contre, frustré d'avoir loupé la réalité avec Shane. Avec Shane McMahon ? Ouais. Avec été Shane McMahon, Undertaker, c'était pas dingue, hein. C'était juste, ouais mec, je veux Raw, ok. VM il a dit, faut que tu battes l'Undertaker, ok. Et après il se fait traiter de chien, voilà, c'est pas grand chose non plus quoi. Ils disent que le centre de communication est dans Shane Miz. Ouais, ça va. Je vais y entrer et lancer l'appel radio, d'accord. Ça c'est moi quand je m'étire le matin avec mes problèmes de dos. Chaque seconde compte, s'il y en a qui veulent me suivre, ils sont les bienvenus. Let's go! Nouveau niveau terminé! Et encore 100% pièce. Ouais, ouais, c'était pas si mal. Je suis d'accord. Quête 2. 2 Carter! Robert Burke! Mécano Ingen. Peter Ludlow. Ouais, ouais, la souplexe à la fin sur la plateforme était stylée. N'oublie pas d'acheter x8, il coûte trop cher, mec. Jeff Hardy, je l'aimais bien aussi. Mais tout le monde aimait Jeff Hardy. Évidemment. C'était le casse-cou, l'homme qui s'en battait les couilles de tout. Parazolophus. Ok. Eh, continue l'histoire, évidemment. Let's go. Bientôt, il y a 1 million de thunes, ça avance. Au coup de cœur, à partir de 2023, c'était Riddle. Je hais Riddle. Je déteste Riddle, je suis très content qu'il soit plus là. On nous chausse, c'est Braun Breaker. Braun Breaker, j'adore. Braun Breaker est un très très bon catcher. Il a tout. Il sait tout faire, il sait faire du comique, du sérieux, du face, du heal. Il est ultra bon, il est bon in ring, il a une bonne prestance, il a vraiment tout pour lui. Futur world champion, sûr. Il s'est passé quoi avec Riddle? Bah, il s'est fait virer parce que ce mec, c'était un mec qui se bourrait la gueule, il s'alcoolisait, qui se droguait comme ça. Il a insulté et menacé des gens à un aéroport. Le mec, il a aussi battu sa femme, aussi. C'était pas mal, ça aussi. C'est une raclure de bidet quoi. Et il se pensait pas une merde aussi, puisque vu qu'il avait fait de l'UFC, donc il savait vraiment se battre, bah il pensait qu'il pouvait coucher tout le monde, donc il méritait mieux quoi.
Donc vraiment, c'était juste un déchet, quoi. Alors évidemment, je critiquerai pas non plus, mais c'était pas... En fait, c'est les comportements comme ça où tu te sens un peu supérieur à ton entreprise ou supérieur aux autres, j'aime pas du tout. Frère, il était Edge et Kane. C'était pas mal, hein, c'était quelque chose, hein. CM Punk me level que Hardy. CM Punk, incroyable. Depuis qu'il est revenu en plus, il faut pas de problème, parfait. J'aime beaucoup. Avec Monsieur ADN, on apprend en s'amusant. Les scientifiques estiment que certains dinosaures peuvent vivre jusqu'à 200 ans. Merde, attendez. Ah ! Ça doit descendre, ça. Nick ! Trouma Kitter est incroyable en ce moment, c'est un des meilleurs, je suis d'accord. Nick ! Nick Van Owen ! Nick Van Owen ! Casty Brown, Nick Van Owen ! Apparemment, Becky Lynch a par signé oui parce qu'elle veut prendre sa pause. Elle veut prendre une pause et faire autre chose. Elle va s'occuper de sa fille. Le temps de revenir. Elle prend une pause prolongée. On parle de Trump à WWE, oui, puisque c'était un pote de VM à l'époque. J'ai peur qu'il perde à Clash of the Castle Drew. C'est possible, hein. Très fort probable, même, hein. Ouais, avec une intervention de CM Punk, oui, bien sûr. Bah, la rivalité est pas terminée, donc ça m'étonnerait pas. Hein. Tout dépend en fait de si CM Punk peut être remis assez vite ou pas. Et je filme madame, et là, bonne soirée. Salut Zemex, merci d'être passé, encore merci pour les subs, espèce de sale fou. Merci, ça fait plaisir, à la prochaine. Eh, Billy Kit. C'est pas les plus compliqués ces mini kits là. Let's go. Ok, faut un treuil, mais on n'a pas de treuil. Mm-hmm. Merci Titi RD, RDR pour le follow Twitch, laisse-moi te voir si tu lui fais un de la chaîne d'exemplarisation, merci à toi. Tu crois un potentiel retour de Brock Lesnar? Bah s'il a plus de problème avec la justice, oui. S'il en a encore, jamais. C'est tout simple, hein. La WWE, c'est une entreprise, hein. S'il y a des mecs à son sein qui ont des problèmes de justice, ça va vite les envoyer valser. Hein. C'est l'image de l'entreprise qui est en jeu. Hein. Merde, putain, mais. Ah putain, attendez. Excusez-moi, hop. Voilà. Voilà. Ok, c'est un truc qu'il faut reconstruire en x3. Ma catcheuse préférée, Rhea Ripley, Liv Morgan. Ouais, en réalité, Drew et Punk peut amener un retour de Seth. Oui, possible. Après, Seth, je pense qu'il va vouloir prendre peut-être une partie aussi du temps où Becky Lynch sera en pause pour en profiter avec elle. Tu vois, vu qu'il est blessé, ça m'étonnerait pas du tout. Comme ça, ils en profitent les deux, ils peuvent être ensemble, c'est parfait. Et comme ça, ils reviennent plus forts tous ensemble après les rivalités. Ah bien Liv Morgan, mais moi j'adore Liv Morgan. Ok. Allez hop. Plus hypé par un retour de Rollins ou de Reigns? Je sais pas vraiment. Peut-être quand même de Reigns, parce que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer, mais moi les deux je les adore donc. Ça dépend de ce qu'ils vont raconter. Salut Sacha, comment tu vas? Ok, donc du coup on peut retourner dans le garage. J'ai bien eu toi, bah tranquille.
réussi. Ce sera une nouvelle rivalité Bloodline versus sa nouvelle Bloodline. Ouais, ça va être stylé. The Rock à l'époque. Le sourcil du futur. Attendez. Vous avez vu, je sais le faire, hein. Ça sera pas une réalité Bloodline. Ouais, ouais, mais en vrai, il y aura Bloodline contre la nouvelle Bloodline, c'est sûr. Hein. C'est là où ils veulent nous emmener, hein. Regard de tombeur. En fait, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être comme ça qu'il faudrait que je fasse pour avoir une copine. Je fais le regard de tombeur, en vrai, comme ça, j'arrive dans une rue et dès que je vois une meuf, je fais. Non mais j'aime les pâtes et les pizzas au moment que tu te calmes, hein. Toi tu mets un message, c'est juste pour mettre une question, mais what the fuck. Le mec il parle une fois tous les 36 pour dire alors est-ce que ce mec là il fait ça ou ça. J'en sais rien. Ok. Oh merde. Par contre c'est cool qu'ils mettent en avant Jay, mais dommage qu'ils mettent de côté Jimmy. Jimmy est blessé actuellement, c'est pour ça les gars. N'oubliez pas que Jimmy est blessé, hein. Pour ça qu'on le voit plus. Il y a énormément de blessés en ce moment. Tu vois c'est dur, Rhea Ripley en plus de Liv Morgan avec son regard de péché. LOL. Moi ce que j'adore en plus chez Rhea Ripley et Liv Morgan, c'est qu'elles ont totalement le style vestimentaire que j'adore chez une meuf. Un peu comme ça, noir, un peu... alors très mignon pour Liv Morgan et très un peu vénère chez Rhea Ripley. J'adore ces styles de vêtements. Je surkiffe. Ouais, cette ruine c'est toujours blessé, bien sûr. J'aurais aimé que Jimmy gagne à Mania. Ça aurait pu être cool, mais bon. Ça s'est pas passé. Et hop, du premier coup. Avec ta grosse barbe. Ta grosse barbe là, la grosse beubarde. Ok. Ok, rien à faire là. J'en sais rien. Faut mettre où cette merde? Ah, fallait mettre là. Décide de Jimmy vs Jay, on dirait un match simple, pas assez scénarisé. Ouais, le ça alors si justement, trop scénarisé pour ce que c'était. Le match, ouais, malheureusement, il était pas ouf. Allez, on démarre la bagnole. Let's go. Oh merde. Coucou. Allez, boum! Ouais! Voltige, home run! Ça t'est bien de faire venir Richie. Ouais, ça peut être cool. Ça peut raconter un truc en plus. Je crois peut-être qu'ils veulent garder ça pour plus tard, ou j'en sais rien. Faut voir. Oh, la musique qui s'enjaille, incroyable! Ok, point de sauvegarde. Let's go. Je tiens à dire que quand même, autant sur Lego Pirate on a eu pas mal de lag et de bugs, autant là on n'a pas eu du tout. Ça fait plaisir. Salut mes volis, comment tu vas? Photo. Je crois que Ricochet partira cet été. Je pense pas en vrai. Au vu de comment il est utilisé, sachant que Samantha Irvine, sa femme et sa fiancée travaillent à WWE. Au vu qu'il est beaucoup plus utile ces derniers temps, qu'en plus il est champion speed, donc le champion techniquement de l'émission Twitter, je pense qu'il va re-signer. Je pense qu'actuellement à la WWE, il y a très peu de mecs qui ne veulent pas re-signer. Genre techniquement, c'est tellement quali qu'il n'y a aucune raison de pas re-signer, je trouve. Ça va et toi? Oh, tranquille. Ah.
Ils refont pas des charges pour spin. Si si, mais justement c'est un genre de tournoi quoi. Genre ils font un genre de tournoi et ensuite bah ça devient un number one contender quoi, comme dans la vraie vie. Hop. Pour moi Ricochet, non il va pas se barrer. Je le vois pas se barrer pour le coup. Allez hop. Oulet, hop. Voilà. Comme si on recommençait tout. Bon, on verra bien, on verra bien. Ah ça, on pourra rien dire tant, on peut que spéculer tant que c'est pas annoncé ou que c'est, y a pas un truc qui a dit le contraire. Hein. On verra bien. Ok, donc ça permet de faire lever et d'amener la meuf pour qu'elle fasse le truc. Ok, let's go. Allez hop. Olé, wouh. Ah. Ok, c'est pour faire une échelle. Je pensais que Starfield arrive sur PS5. Bah il est pas sorti sur PS5 Starfield. Ah bah non, parce que c'est un jeu Bethesda, donc Xbox. Ah, faudrait voir, mais je pense qu'il sortira, mais pas maintenant. Peut-être un jour. Après, je sais pas. Là, pour l'instant, ce qui me hype le plus, c'est le retour de l'Uncle Audi. Moi, j'ai hâte de voir la team, moi, j'avoue. Il y a plein de catcheurs qui pourraient être dedans. C'est une exclu Xbox? Ah, bah, peut-être. Ouais, mais souvent, les exclus, maintenant, ça existe plus, tu vois. Souvent, ils te disent exclu, et au final, t'as quand même le jeu qui sort plusieurs années plus tard, quoi. Faut voir. Après, si t'as vraiment envie de te... En vrai, le meilleur truc pour pouvoir taper toutes les exclus de toutes les consoles à partir d'un moment, c'est le PC. Le PC, t'auras toujours les exclus qui arrivent à un moment. Ça qui est génial. Ça parle de Dexter Lewis. Ouais, ça parle de beaucoup de trucs. Eric Rowan qui aurait été re-signé. Dexter Lewis, Joe Gacy, Alexa Bliss, Nikki Cross. Beaucoup de gens qui pourraient revenir. Ça pourrait être très cool. Oh merde. Braun Strowman c'est impossible. Braun Strowman en fait il est déjà revenu et je le vois pas en fait retourner autour de la Wyatt Family, sachant qu'en fait il avait déjà fait énormément de rivalités dans lequel justement il y avait le truc du j'en suis parti et c'est terminé tu vois. Et moi je le vois pas du tout y retourner parce que déjà on l'a revu. En fait si on l'avait pas revu depuis sa blessure, j'aurais pu tu vois me dire ouais. Mais là vu qu'on l'a revu depuis, je vois pas le principe en fait. Genre tu l'as vu, il est dans une storyline un peu avec le Judgment Day. Il se bat contre eux. Quel est l'intérêt de le faire revenir pour en fait leur faire repartir dans la Wyatt 6? Je vois pas l'intérêt. Après ce coup je dis de la merde et ça va se passer hein, mais... S'il se refait influencer, ouais je vois pas l'intérêt. Ça serait de la redite en fait, ça serait juste du fait et refait quoi. Malheureusement. Ce serait dommage je pense. Et... Ouais, il fait des trucs contre le Judgment Day, donc ça m'étonne pas. Photo. J'ai dit photo. Voilà, j'ai fait la photo. Ses dernières apparitions étaient pas ouf, juste lui qui aide des petits. Bah déjà c'est déjà pas mal d'aider, au moins t'es là. Déjà en fait, déjà partie du principe les gars hein. Quand vous dites ouais c'est pas ouf parce que le mec on l'a pas vu souvent, on l'a vu mais il a pas fait grand chose. Dites vous déjà qu'on l'a vu. Il y a plein de moments où des catchers on les voyait pas du tout. Et surtout que techniquement au moins on le voit quoi. Mais il fait des matchs, il fait des trucs. Et aider les petits c'est pas mauvais hein. Salut Edouane TV, comment tu vas? Endman TV pardon. Olé, wow, la fille elle est vénère. Elle a séché un vélo. Bâtard. Ça et toi, c'est Mister qui va parler de toi.
Merci, ça fait plaisir d'être là. Par ici. Par ici, il fallait là-bas, là. Ok. Ils t'ont viré de l'équipe de gym. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue à toi, jeune entrepreneur. Je sais où, putain, ça fait virer de l'équipe de gym après ce bordel. Franchement, moi je vois ça, je la réembauche tout de suite. Hein. T'as loupé la trappe à l'étage. Ouais, mais de toute façon, c'est pour le 100%, donc on s'en fout, les gars. 100%, on le refera quand on aura terminé les niveaux du mode histoire, n'oubliez pas. Oui, t'inquiète, j'avais compris, Joe. Après, un Nog Brunbreaker incontrôlable qui rejoint la Wyatt Family en tant que chien de garde fou. Non, je vois pas le. Non, je verrais pas l'intérêt. S'il y a trop de mecs, en fait, les gens vont se perdre. Et en fait, c'est ça le truc. Si vous mettez trop de mecs dans la Wyatt 6, ils vont se perdre. Et en fait, il y en aura qui vont être vraiment délaissés par rapport à d'autres. Le but, c'est vraiment, la Wyatt 6, je pense, ressortir des mecs qui soit sont pas vraiment vus, soit des mecs qui ont de près ou de loin eu un rapport avec Bray Wyatt. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment, tu sais, un clan hommage. Donc, je verrais pas l'intérêt de ramener un nouveau venu qui techniquement a rien à voir et qui peut très bien réussir sans, tu vois. Après, c'est que mon avis, évidemment. En tout cas, bienvenue à toi, du coup, Endman. Ça fait plaisir. Aucune idée de ce qu'il pourrait faire comme réalité. On verra bien. On verra bien, justement. C'est ça qui est cool, c'est qu'on en a aucune idée. Ça va être intéressant à suivre. Oh l'hélico! Arrête de faire ton putain de signalement, on te voit partout là! Mais quel con, faut que je me dépêche! Us, c'est bon! Tu as eu le nouveau trailer de Sparking Zero? Ouais, j'ai vu! Et Sparking Zero, je vais abandonner, je vais le défoncer, le jeu il va être trop stylé, je pense! Hâte de le tester! Ah, magnifique angle de caméra! Let's go. D'ailleurs, petite question, Mister, et donc du coup aussi Endman, vous faites quoi comme jeu en multi? Parce que tu m'as dit que vous faites beaucoup de live ensemble, etc. Vous faites quoi comme type de jeu? Je sais pas, je dis conneries, Call of, Sea of Thieves, trucs comme ça. J'aime bien un peu connaître les jeux de chacun. T'es multigaming? Ok. Mais quoi, genre tu fais quoi en particulier? Ok, alors on peut pas passer par là, parfait. Je voulais savoir. Saute. Ah putain! Sea of Thieves, moi j'adore Sea of Thieves. Je trouve ça trop bien. Faudrait que je m'y remette absolument parce que le jeu est excellent. Allez hop, tu descends! Ah non, pas encore. J'ai dit tu descends! Saute et code. Ok. J'avoue, code, moi j'ai énormément de mal, je trouve. C'est pas mon style de jeu vraiment. Après, saute par contre, c'est banger. Salut Noah, comment tu vas? Encore une fois, 100% pièce, hein. Ça change pas, on change pas ni qui gagne, incroyable. Hellblade, ah, pas mal. Nouveau jeu qui vient de sortir là. Ah, qui vient de sortir. Bah, compris quoi. T'as super et toi? Bah, tranquille. Je fais tout. Saute, Apex. Fortnite, Phasmo, Minecraft, code. Alors saute, oui. Phasmo, why not? Minecraft, oui. Le reste, on critiquera pas, hein. Après, chacun ses goûts, c'est toujours pareil, c'est le principe. Tu joues à Multiversus? Alors, je l'ai testé à l'époque quand ils avaient fait la première bêta avant d'arrêter, avant de la sortie officielle. C'était sympa, mais ouais, c'était quand même merde. Quand t'as Brolala, Smash Bros, etc. à côté, c'est un peu compliqué, surtout que les persos étaient chiants à débloquer pendant la bêta. C'était pas vraiment intuitif et intéressant quoi. Let's go, fin du niveau. Il y a un autre hélico qui arrive. Évidemment, tout ce que je dis, c'est que mon avis, bien sûr, aucune critique envers ceux qui le font ou qui jouent à d'autres jeux. Ouais, ils ont fait le T-Rex. Il est en train de cracher tout le monde là. Il en a bouffé combien des gens? 4? 4? Ok, 4. Avec le DR saute, c'est vraiment bien. J'ai fini à 100% les quêtes femmes. Ah putain, faudrait que je les fasse moi les femmes, faudrait que je les termine. Tu fais des jeux indés, etc. Ah ouais, putain, les jeux indés c'est tellement bien. Tu trouves tellement des pépites. Smash Bros à côté, c'est quelque chose. Ah ouais, bah.
Clairement, X-Defiant et Black Ops 3 en zombie. X-Defiant, faudrait que je teste. Beaucoup de gens qui me disent que c'est vraiment un vent d'air frais dans le... Dans le paysage du FPS. Un peu classique. Ça va être intéressant à tester. Paul Bowman. Matelot du SS Venture. Berner garde InGen. Jerry garde InGen. On va tous les avoir ou ça se passe comment là? Équipier du yacht. Allez. Bon, il reste encore un niveau pour le film, je pense. Si j'ai bien calculé. Chasseur collé. Ok. Ok. Bah, let's go, continue l'histoire. J'ai plus de 1000 heures de jeu. Moi, j'ai à peu près, ouais, 600 à peu près aussi. Le jeu est incroyable. SOT, c'est... SOT est déjà un jeu incroyable. Et depuis là, la dernière mise à jour qu'ils ont fait par rapport à la S11, je crois. La S11 ou S12, c'est incroyable. Les nouvelles armes, le grappin, les nouveaux events. Genre, c'est n'importe quoi. Beaucoup de gens disaient malheureusement que Sea of Thieves, plus ça avançait, plus c'était la fin. Mais les dernières extensions. Oh, déjà, quand ils ont sorti le truc avec Pierre des Caraïbes, j'étais choc barre de baiser. Et quand après ils ont sorti le truc là, j'étais en mode ah ouais, mais là, c'est un autre niveau. J'étais choqué. C'est juste un des meilleurs jeux. C'est le meilleur jeu de piraterie qui existe. Certains sauropodes, la famille qui inclut les brachiosaures, peuvent dépasser les 30 mètres et peser plus de 100 tonnes, ce qui en fait les créatures terrestres les plus volumineuses de l'histoire de notre planète. Oui, la vidéo de Secret Review, oui, avec le mec avec la barbe rousse, ouais, ouais. Très belle vidéo pour quelqu'un qui connaissait pas le jeu à l'époque, hein. Très très belle vidéo. Il y a 15 ans de cela, John Hammond a fait un rêve. Eh bien, dans une demi-heure... Il a rêvé d'une banque. Ce soir, nous baptisons Jurassic Park de San Diego avec une méga attraction. Le bateau, il arrive. On avance. Wow, le bateau, il défonce tout. Ok, let's go. Vous avez vu ça? Oui, on a vu ça, mec. On est pas aveugle. Est-ce qu'elle peut crier? Est-ce que c'est une femme qui crie? Non, elle ne crie pas. Triste vie. C'est une femme qui ne crie pas. Vous pourriez aider ce type, il est coincé. J'ai essayé de le sortir, mais j'avais aucune prise. Je l'emmerde. Ah, flash spécial. Un reporter du coin se retrouve coincé sous un... Le mec il est en train de commenter son propre truc. Le mec il est en galère, il est en train de se commenter lui-même. C'est pas mal, j'aime bien, j'aime l'idée. Rien de mieux qu'être sur le terrain. Jurassic 2 ou 3 la scène du bateau. Là c'est le 2. Là c'est le 2, on est en train de faire le 2. Femme qui ne crie pas est forcément nul au lit. Ah bah d'accord. Je ne saurais pas te dire, mon cher Wolfried, je n'ai pas assez de connaissances dans ce domaine, contrairement à toi. Allez, tire. Ah merde, putain, j'ai failli pas se déplacer en même temps, quel con. Allez, pousse, Jackie, pousse. C'est bon. Libre comme l'air, let's go. Non, c'est pas le 3 les gars, c'est le 2 hein. Si vous parlez de la scène de bateau de là tout de suite qui vient de se passer, c'est le 2 hein. Parce que là on est censé être encore dans le film 2 les gars là. On n'est pas encore dans le film 3 hein. Si je dis pas de la merde. Ah tu as raison. Ouais t'inquiète, y'a pas de problème hein. Ok, la manivelle est là, j'imagine que j'en ai besoin pour faire le truc là. Casse-toi la dame là. Putain, mais cassez-vous, c'est pas vous que je veux taper. Putain, je tape les passants, let's go. L'ordure de bidet là.
Ouré, ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font trois petits tours et va te faire foutre. Allez. Merci. Oh. Oh, la moula, bien joué. La moula, j'ai dit la moula, connard. Donne-moi la pièce bleue. Merci. Il voulait pas me donner la pièce bleue, enculé. Ah, on va aller dans le bateau, let's go. Stylé ça. J'aime bien. Ok, est-ce qu'on peut péter la bagnole? On peut pas péter la bagnole. Dommage. Ça aurait fait de la... Oh, il y a une pièce. Voilà. Le mec pour 100. Oh, il y a une pièce. Allez, je vais à plus. Salut Worker Drone, à la prochaine. Merci de passer. Ok. Est-ce que c'est... Non, c'est pas des objets qui permettent la construction. Let's go. Pas mal de merde là, je pense qu'il y a une construction à faire. Bah Étonnant. Ah si, il y en a une. Je me disais aussi. Y'a pas de petites économies, exactement. Je ne pouvais pas être plus d'accord que ça, mon cher Blastoir. Ah putain, mais y'a un truc par là, incroyable. Ok, est-ce qu'on peut passer de l'autre côté? On peut pas passer de l'autre côté. Je crois pas, hein. On peut pas passer de l'autre côté. C'est bon, je suis sûr. Ok, faut récupérer, oui, faut récupérer la truc. Le gros caisson, sa mère. Non, par là. Ah putain, par là, comme ça. Bonjour, je veux le caisson. Voilà. On le soulève. On peut pas mettre la caisse dessus, comme ça ça fait contrepoids et on nous emmerde pas. Si, totalement, voilà. Ah non, pas du tout. Ah. Oh, le désastre écologique. Oh, le bordel. Ce qui s'appelle le foutoir en langage. Merde, putain, je vais me casser la gueule. Ok, let's go. Pas perdre de pièces, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu me cherches? Avec ta gueule là! Et ton uniforme à la con! Ton bleu de travail à la. Voilà, hein! Voilà! Dégage, bouffon! Malade celui-là! S'en fout, les Américains, réchauffement climatique, on connaît pas. C'est une invention des Chinois, c'est vrai. Ça s'utilise vaut ça? Alors, c'est pour un mini-kit, let's go! Et. Un mini kit. C'est plaisir. Hop. Hop. On est d'accord que là, ça sert à rien. On est d'accord. Allez, madame, veuillez passer. Bonjour, messieurs, comment allez-vous? Et madame? Parce qu'il y a une dame, il y a une dame dedans. Hop, voilà. Hop, allez, ça meurt. Ok, je peux pas passer par là. Ok, let's go. Je comprends pas, ouais. D'où le truc en bois rebondit. Faut qu'on m'explique, hein. C'est pas très logique tout ça.
Ok, John Hammond, donc je peux pas. Vous n'êtes pas l'équipage. Non ! Mais je suis là pour péter la gueule, connard ! Oh ! Ok, lui peut-être ? Ah oui, c'est lui qui fait les dessins. Bah ! Ouais. Ouais. Ouais, ça me paraît pas compliqué. Voilà. C'était pas compliqué. Ok, une magnifique pièce bleue. À crafter. Ok, donc ça, ça va permettre à la demoiselle de passer de côté. Ça, jusque là, j'ai compris. Et hop là. Un super angle de caméra là, je vois très bien ce qui se passe. Oh, l'angle de caméra du cul. Il est horrible. Hop là. Je t'emmerde, connard. Oh putain, mais cassos là. Us, us. What the million army. Olé. 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 Olé, j'arrive pas à viser, let's go. Magnifique. Oh, le combat d'autiste, c'est incroyable, c'est Star Wars 1. Allez hop. Alors là, j'ai besoin d'aller utiliser mon cher Malcolm pour récupérer, hop, le petit ADN de dinosaure. Ça fait toujours plaisir. Un petit ADN tranquille. Salut les gus! Ou les bouffes, ça marche aussi. Voilà, ils sont morts. Putain, il vénère quand il casse des trucs, hein, Malcolm. C'est pas la force tranquille, lui, il pète tout. Il vénère. Pourquoi j'ai pas des bras plus longs comme. Non, non, lâchez ça! Oh oh! Ah bah, un T-Rex! Je crois qu'ils ont fait une connerie, mais je suis pas sûr. On va avoir besoin d'un plus gros bateau. Tout le matériel pour le maîtriser est ici. Il faut le ramener au port. Où est le petit? Dans un abri protégé. Pourquoi? Où est cet abri? Ah, Jurassic Park, j'imagine. Comment on va trouver l'adulte? Y'a qu'à suivre les cris. Oh là là, la bagnole s'est fait éclater. Oh, le mec KFC be-like. Petite balle de golf là. Ah, le retour. On peut tirer avec quoi? On peut tirer du poulet. Pouletto, pouletto. Voilà, 1 sur 3. On peut pas diriger la bagnole? Ah si, on peut diriger la bagnole, putain, incroyable. J'ai pas réussi à pouler, j'arrive pas à pouler. On s'en fout, là faut faire de l'argent. Oh la vache, c'est fait éclater. C'est un beau bordel.
Ah putain, on a le bébé T-Rex, j'ai pas vu. Il y a le bébé T-Rex à l'arrière. Incroyable. Wouhou. Oh là, c'est 1 million de points sur GTA ça. Et le 100% pièce, let's go. Ah bah il est de retour. Coucou. Allez, ramène-toi. Tu veux de la bouffe? Tiens, prends les poulets. Allez, 2 sur 3, let's go. Prends le poulet. Un drift pas très bien maîtrisé hein, de la part de Malcolm. Poulet? Non, d'accord, ok. Oh là là! J'adore quand le T-Rex est en mode ouais, j'adore! Le mec il fait comme les chiens, t'sais, il a la tête au vent là. Je fais ce que je peux. Oh là 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 là! Ouais! Putain, je serais envie de regarder Jurassic Park 2 là! Incroyable! Ouf! A tout cassé. En route. Allez. Où est le T-Rex? Il est toujours derrière nous. Professeur Malcolm! Qu'est-ce que tu veux, bouffon? Qu'est-ce que vous en avez fait? Je veux ce petit. La belle bête, exactement. Ah bah je crois que le petit tu l'as justement, connard. Ah bah le retour de la musique, ça faisait longtemps. Oh, tu es là. Allez, meurs, bolos. Attends. Histoire terminée, let's go. Le monde perdu, chelip déverrouillé. Ah putain, bien. 852 000. Putain, on est bon là. Niveau thune, on est pas mal. C'est propre. Nikit, on en a 3, je crois. Exactement. Sarah Holding, San Diego. Capitaine de port Ingen. Gérald, investisseur d'Ingen. Ça va être que de l'Ingen. Ah non, Jim le pêcheur. De l'Ingen? Non, d'accord, ok. Juste le pêcheur tout court. Pourquoi pas. Bolide de San Diego. Voiture de police. Ok, le brachiosaur. Oh, le brachio. Ah, je l'aurais plus vu à débloquer dans le premier niveau pour le coup, celui-là. Ça aurait été logique, mais... La logique à l'encul des darons. Let's go, quel plaisir. Finir l'histoire évidemment. Oh le combat. Non, il va pas se combattre. Ah non, c'est juste ils sont contents quoi. Ok. Ah, il a l'air d'un con comme ça. Il a l'air d'un con. C'est génial. Oh, le petit café là. Un petit caf. Ah oui, putain, c'est vrai que oui, il y a le retour de ça, ok. 19,8%, let's go. C'est pas un vélociraptor qu'on coursait d'ailleurs dans le 1, c'est un brachio dans le 2, pas un brachio, hein. Je sais plus. Dans la nature, les trodons chassent en meute la nuit. 4 ou 5 de ces trodons bien alertes pourraient être autant dangereux qu'un seul T-Rex adulte. Eh oui, le saviez-vous? Let's go! Attends, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle map? Enfin, ferme ta gueule. Ah ouais, bon ça là elle est plus petite. Ok, ça, elle est plus petite. Il y a moins de trucs à faire, mais il y a quand même des trucs à faire. C'est un beau bordel. Merci petit one intermittent, incroyable pour le follow Twitch, respecteur, c'est tout le 10 F de la chaîne d'exemple plaisir, merci à toi.
Et ben on va se laisser là pour cette session de Lego Jurassic World. On aura terminé du coup le film 2, ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve ce soir 20h pour la suite de la coop sur WWE 2K23 mode univers. Et on se retrouvera dans quelques jours pour la suite de nos aventures tout simplement pour Lego et d'autres jeux. On se dit à la prochaine, merci encore pour tous les subs, pour tous les follow, etc. Pour ceux qui veulent revoir les rediffs YouTube, pour ceux qui veulent être informés du planning dès qu'un live est lancé, Discord, etc. On se dit à la prochaine, ciao tout le monde, bye bye.